Bienvenue au dernier épisode de Sors de ton moule. Aujourd'hui, on reçoit Martin Métivier de la compagnie Les Chandelles Funky. C'est un peu pour ça aussi que je l'ai mis cette journée bien spéciale. On est le 1er avril parce que cet épisode, en tout cas, m'a demandé beaucoup de travail de montage. C'était un petit peu décousu, mais c'est très drôle. Et son parcours est quand même très il est très intéressant. Donc, je vous invite à écouter cet épisode pour entrer dans l'univers inspirant de ce nouvel entrepreneur que je vous présente aujourd'hui. Martin va nous partager ses réflexions. Il va nous parler aussi un petit peu de son passage dans l'œil du dragon, ses expériences entrepreneuriales d'avant. On va aborder beaucoup de sujets. Donc, vous êtes bons si vous suivez jusqu'à la fin. Cet épisode promet d'être riche en surprises et en inspiration. Hey, merci de l'invitation. Bienvenue à Sors de ton moule. Ah, c'est ça le titre? J'adore ça. Je le savais que c'est ça. Un deuxième. Ça fait choc? OK. Ouais. Fait que là, oui, Sors de ton moule. T'inquiète, là, ça sera pas si pire que ça. OK. Fait qu'au courant de notre discussion, là, je vais te laisser te présenter. Je vais te faire faire un petit quelque chose en lien avec notre sponsor, Mimipou! Wow! C'est ça, voilà. Fait que je te laisse comme... Ben en fait, je sais même pas... Mon invité aujourd'hui, Martin Métivier. Métivier, c'est ça? Oui, Métivier. Puis là, peux-tu me remettre en contexte? Je me rappelle même plus comment on s'est rencontrés. Ben, ça part probablement... C'est d'un pop-up, hein? D'un pop-up. Par non, Instagram, puis je pense qu'à Montréal... Dans Angus, ah, t'étais oui. passé pour la première fois me voir. Je t'ai vu pour la première fois au Loco Shop Angus. Voilà. Au marché du collectif créatif de Montréal parce que je suis de Montréal. C'est ça. Voilà. Hein, j'ai quand même. C'est là. Ouais. En fait, probablement, c'était. Ben, pas probablement, c'était les internets pour commencer. Oui. Puis après, bon, ben, tu sais, c'est ça. J'ai on s'est jasé, entrepreneur, blablabla. Puis là. Puis là. Boum. Puis là, il était invité aujourd'hui. Ah, puis là, je suis là. En fait, je venais pour le café. En fait, c'est lui qui m'en a emporté un. Ouais. Ça, c'est la magie. Hein? Ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est un café funky. Oh, c'est ça. Mais, tu sais, c'est chaud. C'est de la limonade avec deux shots d'espresso dedans. Fait que c'est de la limonade. Ça vient de chez Labine, celui-là. C'est incroyable. C'est leur limonade maison, puis avec deux shots d'espresso. Ça te prend deux, trois gorgées. T'es-tu rendu à ta troisième gorgée? Oui, mais là, tu sais, j'ai pris l'autre. Fait que... Ah oui, mais ça t'a cité. Ouais. Mais j'adore ça. Non, mais c'est pas désagréable. C'est particulier. Ouais, c'est funky. Voilà. C'est funky, c'est funky. Puis là aussi, je me suis dit que j'allais m'habiller funky. C'est pour moi, c'est funky. Là, ben, juste... D'habitude, t'es terne, genre t'es noir. Tout... Ouais. Ouais, c'est ça. Okay. Ah, j'aime ça. Valérie, j'aimerais ça que tu nous mettes en contexte. Que, d'où tu viens, t'es qui, toi? Moi? Elle, tu veux que je parle d'où, genre? Ouais. Ben, j'ai tout le temps une question de est-ce que tes parents étaient entrepreneurs? Non. Non. Du tout. Pas du tout. Du tout. Rien. Fuck. Fuck all. Fuck off. On peut-tu dire des gros mots à ton podcast? Tu peux dire des... Non, je ne vais pas dire des gros mots. Des gros mots. C'est pas... Non. C'est pas une émission pour en faire, là. OK. Mais, ouais, peut-être tes premières expériences entrepreneuriales ou si tu as simplement fait un... En fait, je suis travailleur autonome depuis que je me souvienne que je travaille, en fait, probablement. Oui. Là, j'ai eu les job-in classiques. Là, j'ai livré les journaux, travaillé dans un... J'ai fait des livraisons dans un dépanneur quand j'avais 12-14. C'est pas classique, livrer les journaux. OK, mais pour nous, dans ma génération, oui, quand on classique. Était jeunes, c'était classique parce c'est que vrai. C'est vrai que maintenant, vous n'en avez pas de journaux, ça n'existe plus. Mais les jeunes qui écoutent, dans le temps, il y avait des journaux en papier, puis il y avait des jeunes qui livraient les journaux en papier, porte en porte le matin de 5h à 7h à peu près avant d'aller à l'école. J'ai fait ça à peu près à 12. Ouais, je dirais ça. OK. Ouais, ouais. Après, j'ai travaillé. C'est tout ça que tu veux? Ouais, ouais. Les infos-là? Oui. Ça va être long. Ben là. Je suis vieux. Non, mais OK, j'ai fait quand ça. Même, là, je trouve ça intéressant de voir d'où ça a parti. Puis à un moment, c'est quoi l'étincelle qui a fait où t'es rendu? Ouais, c'est COVID, ça, l'étincelle. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, tu vois, pour moi, le fucking COVID, c'est. Ah, ça fait deux fois que je dis fucking. C'est tout. On avait le droit à deux, c'est terminé. Là, en fait, c'est ça. T'avais fait les journaux. Les journaux. À quel âge, genre? 12. 12 ans? 12, 14. Ça n'existe plus. Hey, maintenant, c'est terminé. Il faut être dans un cadre. Oui. Ouais, il faut être 14 ans et plus. Mais bref, ça, on ne partira pas là-dessus. OK, d'abord, mais, ta première job. Mais après, j'ai travaillé au Centre Rockland. J'étais à la sécurité. Là, on faisait la sécurité routière, la direction des gens la fin de semaine. Oh. Après, j'ai travaillé au stade. Ça, c'était comme, je pense, ma première vraie job. J'ai travaillé là 15 ans quand même au stade. J'ai commencé, je voulais pas travailler dans la restauration. Je m'étais toujours dit, je déteste ça. Ah, finalement, je travaillais dans les kiosques à hot dog. J'ai commencé, c'est ça qui a fait que j'ai travaillé au stade.
un de mes amis travaillait là depuis un bout, puis il m'a dit « on a besoin de gens parce que New Kids on the Block s'en venait faire un show ». Fait que là, tous les kiosques hot dog étaient ouverts. Il y en avait plus d'ouverts que pendant les matchs de baseball. Il était combien dans le temps, les hot dogs? Il devait être à 1$, genre. Ouais. Mais c'est quand même. Ouais, c'est ça. C'est 1$. Mais. Toi, moi aussi. Ouais, je pensais que j'étais seule comme ça. Mais, on va mais c'est ça. Fait que j'ai travaillé. C'est ça. Je suis rentré là. Ouais. C'était pour être une fois, genre. Puis finalement, je suis resté là. Je suis devenu gérant d'un kiosque hot dog quelques mois après. La saison suivante au baseball, j'avais mon kiosque. Et après, je suis devenu. Je vendais dans les kiosques souvenirs. Je suis upgradé. Je suis au département des souvenirs. C'était plus payant. Okay. On était payé à la commission. Fait que plus on vendait, plus ça fonctionnait. Puis les gens venaient dans mon kiosque parce que j'ai une grande gueule. Fait que je jase avec eux. Ensuite de ça, je suis devenu comme directeur de l'entrepôt souvenirs, superviseur de l'entrepôt souvenirs. Okay. Fait que nous, on fournissait les kiosques souvenirs. Fait que ça, je restais là un petit bout. Puis à un moment donné, j'étais juste tanné, j'avais fait tout ce que j'avais à faire. Mm-hmm. Puis en joke, j'avais dit, là, il me reste juste à soit prendre la place de Claude Brochu, qui était le président des expos dans le temps, ou Youpi. Tu sais, au party de fin d'année, j'avais dit ça à ma gang. Puis je m'étais dit, c'était assez. Tu sais, ça faisait 7 ans à peu près que j'étais là. Fait que j'étais pour faire autre chose. Et l'année suivante, Jean-Simon, qui est responsable des Youpi dans le temps. Ouais. Tu connais Youpi ou tu es trop jeune pour connaître Youpi? Il est presque de ta couleur. Mais c'est ça, il était un petit peu plus orangé. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Il est plus poilu. Il est plus poilu. Il y a un shaggy. Fait que c'est ça. Fait que là, il m'appelle au début de saison parce qu'il y avait le match d'ouverture et il y avait le match d'ouverture des enfants qui étaient deux gros événements festifs. Puis il y avait le party sur le terrain, des gonflables, des pompiers, puis toute l'équipe. Fait que c'était puis les masques qu'il y avait Ronald McDonald dans le temps. Tu connais-tu Ronald McDonald? Bon, OK. Fait qu'il était là. Fait que c'est sa grosse affaire. Puis là, il m'appelle, il me disait, j'ai besoin de toi pour le match d'ouverture des enfants. C'est parfait, je vais être là. Mais je savais pas qu'il avait besoin de moi pour être dans la peluche orange. Je pensais que c'était pour l'organisation. Non, le matin, il dit, va chercher le stock. Parfait, je connais un peu, tu sais, comment ça fonctionne. Je vais chercher le stock. Il dit, OK, mets-le. Je suis comme, mets-le, dans le sens de mets-le. Tu vois, Martin, il y a un autre Martin qui était là aussi dans ce temps-là. Il s'était blessé. Fait qu'il a dit, tu vas faire l'avant-match, puis. L'autre va faire le match. Parce que dans des gros événements comme ça, on était deux. Là, les enfants, il y a juste un Youpi. Puis il n'y a personne dedans. Fait que bref, c'est ça. Fait que, j'ai fait ça pour dépanner. Ouais. Fait qu'il me dit, tu sais, le temps que l'autre se rétablisse. Fait que là, j'ai fait un ou deux événements, des événements, tu sais, externes, des promos. Puis je restais là. Puis là, tu étais rémunéré pour ça. Oui. En fait, j'étais payé pour niaiser. Ben oui, la job, c'est vrai. Youpi, tu es payé pour faire des niaiseries et écœurer les gens. Faut pas que tu parles. Fait, ça, c'est difficile. C'est vrai. Mais c'est cool. C'est zen. Ouais, mais c'est très demandant comme job parce que, en fait, les gens pensent que c'est demandant physiquement. Physiquement, oui, mais mentalement, parce que tu dois toujours être proactif. Ouais. Là. Fait action, réaction, puis trouver des niaiseries. Est-ce que tu t'es déjà fait puncher? Oui, mais tu sais, ça, c'est des histoires de mascotte. On fera un autre podcast, mascotte. Hey, c'est une bonne idée, ça. Je vais faire ça. Parce qu'on on est une gang de mascottes, là, tu sais, des amis. Ouais, okay. Au fil du temps, j'ai fait ça pendant 8 ans. C'est ça. J'ai fait ça les 7 dernières années des expos, puis après, j'en ai fait un peu. Ouais. Mais c'est ça. Fait que les 7 dernières années, j'étais dans la peluche orange. Fait que là, après. C'est funky. Je pense que c'est funky. On n'est pas beaucoup à avoir fait ça. Ben, le nom. Celui-là, c'est ça. On est quand même une petite gang, là. On est... Ben, c'est quand même cool. C'est une belle job. Okay, t'es payé pour niaiser puis achaler les gens, ça, je suis parfait pour ça. Oui, c'est ça. Sans parler, là, en plus. Mais c'est vrai, tu peux comme chatouiller les enfants. Non! On dirait que quand je l'ai dit, c'est comme... en plus, c'est ta face, chatouiller les enfants. Non, on fait pas ça. Mais sûr qu'il y en a qui le font. Mais oui, ça, moi, mais... c'est ça que j'avais peur des peluches. Genre, ils arrivaient puis... Tu voulais te faire des câlins, des touchés, puis là, ils sont gros. Un câlin, ça le fait. OK. Mais des fois, les enfants, ils pleuraient. Oui. Ça, tu vas pas vers ces enfants-là. Tu vas vers ceux qui sont quand même des adultes qui ont peur de ça. Là. Ah oui? Oui, oui. OK. Puis là, quand tu as fini... Assurément, la mascotophobie, genre. Oui, ça doit être un terme. Ouais. On vient d'inventer ça. On l'invente. Ça, c'est terminé, les expos. Mais j'étais infographiste à ce moment-là, un peu en même temps, à la fin de ça. C'est ça. Ouais, okay. J'ai étudié en infographie. Ah. Tu sais, après le secondaire, je suis allé au cégep en photo.
à un an. Après le cégep en cinéma, une session comme « Oh my God ». Ça n'a pas marché. Ben, tu sais, dans le temps, on est dans quelle année, là? On est en 94, 92, je ne sais plus combien, là, tu sais. Mais c'est ça. Pas très évolué, tu n'étais pas né, là. Non, j'étais 95. C'est ça. Oh my God. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y avait pas, c'est pas ce que c'était maintenant. Même la photo, c'était pas ça. Tu sais, j'ai fait un retour à la photo plus tard, mais j'ai commencé, je suis rentré au cégep en photo. Puis, c'est ça. Puis, je suis allé en infographie après. Puis là, en fait, en photo, le bug, c'est un, je voyais pas de débouché à ce moment-là. Okay. Puis, ben, c'était au cégep, fait que c'est une technique. Fait que là, tu avais la philo, le français, toutes les. Tu sais, le tous cours plate, les cours. De base. Exact. Puis, si c'est pas concentré sur ce que j'ai envie de faire, tu pas l'intérêt. Perds fois mille. Ouais. Je fais partie de ceux-là. Fait que, tu sais, après, je suis allé en cinéma, waouh! Qu'il y a des petites mouches. Il y a des petites mouches? Oui. Je les attrape. J'avais peur que tu l'avales. Ah, écoute, des protéines. Excuse-moi. Coupé. Non, ah, on coupe pas ce bout-là. Il y a des petites mouches dans l'atelier, c'est normal. Mais là, c'est parce que le dernier podcast, c'était une grosse mouche. Puis là, il a passé dans notre fer. J'étais genre là, là, va-tu arrêter? Ça, c'est très drôle. Mais... Imagine, moi, je vois une mouche, là, c'est terminé. Hein? Parce que j'ai trop de plantes. Ouais. Ah, c'est ça. Tu sais, bon, on peut en parler? Oui. Bon. Pourquoi? Je fais une parenthèse, okay, après je vais revenir à mon parcours. Oui. Hey, c'est long, les gens sont déjà plus là, là ils écoutent plus. Tu sais, mon premier atelier que j'ai eu dernièrement, il y a un an, j'ai fait coloc. Atelier j'avais, de production. Mon local, c'est ça. Okay. Ouais, ouais, on n'avait pas dit on est pas ta compagnie. Tu n'as pas dit ma compagnie? Mais non. Oh my God. Mais oui, tu l'as dit au début, je chantais le funky. Je l'ai dit? Oui. Hey, je pensais que j'étais TDA. Je suis rien à comparer d'elle. Fait que là, Joël, c'est mon ancienne coloc d'atelier. Oui, oui. Tu sais, j'avais une partie d'atelier dans son atelier. Elle, c'est Manu Verdé, puis il y a des plantes. Il y avait des mouches. Là, madame disait que c'était moi qui amenais les mouches avec, mettons, mes résidus alimentaires que j'avais pas tant. mettons, mon kombucha de Gotti kombucha que je laissais dans le bac à recyclage, là. Mais non, ça venait des plantes, c'est sûr. Mais là, tu me confirmes, c'est confirmé. Ça fait des mousses, des mais mouches oui, à fruits. Je sais ça. Quand le terreau est... Tu sais, là, je les ai arrosés, il n'y a pas long. Fait que voilà, bref, très petite parenthèse, mais oui. Et voilà. Puis en plus, j'ai vu les mouches parce que j'ai des petites grenouilles. Puis, ben, ils les mangent. Ah. Fait que ça prenait des grenouilles, j'avais dit. Oh my God, qu'on s'en va. On revient à ton parcours. Bon. OK, mon parcours. Pourquoi on parlait de ça? Là, t'as fait infographie. Ah oui, c'est ça, infographie. C'est ça, photo, cinéma, infographie. Ouais. Ensuite de ça. Quand même, ça donne quand même une expérience. Oui, oui, puis là, je prenais des contrats. Oh, oui, en fait, c'est zéro perdu, ce que mon parcours, parce que l'infographie, je fais mes trucs à moi. Oui. Mais ça, j'aime ça entendre ça parce que, tu sais, il y en a plein qui m'ont fait en 360 en entrepreneuriat, puis ils vont dire, ah, j'ai perdu ces années-là, mais non. Non, non. J'ai rien perdu. Il y a tout quelque chose que tu peux faire, un lien, ou peu importe que ça soit une rigueur que tu apprends de faire les choses. Ouais. Peut-être perdu la session en cinéma, mettons, parce que... Mais tu as appris quelque chose? Non. Fait que j'ai appris que la cafétéria du cégep antique, le spaghetti était correct. C'est pas mal ça, tu sais. Puis qu'il y avait la gang de techniques policières. C'est ça. C'est ça que j'ai appris. Tu sais, j'ai pas... OK. C'est ça. C'est ça. En photo, j'ai appris. Oh, oui, mon année en photo, oui, j'ai appris, même si c'était en argentique. Tu sais, les jeunes, en argentique, c'est avec des films. Avant, les photos, c'était avec des films, des bobines. Ton chum, c'est ça. Je me rappelle. Okay. Quand on peut-tu dire que t'as un chum en caméra? Mais il est passé. Ah oui, c'est vrai. Mais je sais pas dans quel autre ça va être diffusé. Hey, mais... Il va passer après moi. C'est sûr. Bon. On revient. OK. Fait que cégep. Ouais. Après, je deviens infographiste. J'ai des contrats. Ouais. Travailleur autonome. J'ai toujours. Écoute, j'ai eu des petits emplois, mais je ne suis pas capable d'avoir ce cadre-là. OK. Tu ne peux pas être mon patron, en fait. Non. Puis, je m'en ai dit, tu ne veux pas, mais je pense que tu veux. Non, je ne sais pas ce que tu veux. Mais c'est ça. Pourquoi? Fait que j'écoute pas tant les règles. OK. J'écoute. Pas les... Ouais, tu me dis. Fait que c'est pour ça que t'aimes pas les papiers à question? Ouais, ça, là, c'est trop. Ça, vous avez vu ça? Hey, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Ça, j'ai pas de plaisir à voir ça. Moi, j'ai full de plaisir. Parce que c'est encadré. Non, mais les questions ne sont pas encadrées. Oui, je sais, mais c'est. Oui, je comprends pas ce que tu veux dire. Hey, anyway, c'est ton podcast. J'avais juste à dire non puis faire d'autres choses, là. Mais oui, mais je suis content d'être là, ceci dit. OK. Ouais. On a fini mon parcours?
Non. Mais non. Oh my God. Funky. Si vous êtes encore là, on vous donne un rabais à la fin. Ouais, hey, je vais faire ça. Ouais. Si tu écoutes jusqu'à la fin, il va y avoir un code promo, puis tu vas avoir un rabais sur chandelle funky. Ils vont aller directement à la fin. Ah non, t'as pas le droit. Je vais le savoir. J'ai des yeux partout. OK. Non. C'est Jeff. Ah ouais. Ah, ça, c'est... elle vient de faire une blague méchante. J'ai juste un œil, lui. Je vois pas de l'œil droit. Ça fait partie de mon parcours, en fait, un peu. Ah, pour vrai? Ben oui, puis non. Oui, c'est vrai, j'ai aucune idée de. Mais tu veux-tu en parler? De comment. T'es-tu né de même? Non. Non? Oui. Tu t'es versé de l'acide dans l'œil? Non. Il y a une grenouille qui t'a touché l'œil? Oui, mais ça, c'est zéro pertinent, mais c'est un peu drôle. Parce que, tu sais, ben, ouais, c'est pas drôle, mais tu sais, mon œil était déjà moyen, mettons. Ouais, c'est l'œil droit, mais tu peux pas le voir, tu vois, si tu me regardes. Ah, c'est lui que je regarde depuis tantôt. Oui, mais lui, il te regarde pas. Tu veux voir? Ben, regarde, ah, là, ça va-tu défocuser? Regarde mon œil. Gauche, droite, il est pareil. Bon, tu vois? Ben, excuse pour le gros plan. fait que c'est ça. En fait, oh my God, l'œil. On revient au parcours après, promis. Fait que là, l'œil, c'est en jouant au badminton au secondaire. Ton prix de café. En fait, ah, ouais. Ouais. Puis c'est même pas que j'ai reçu un moineau parce que j'ai toujours eu des lunettes. Je pense que je suis né puis j'avais des lunettes. Ils ont eu besoin de forceps pour que mes lunettes passent. Genre, c'est mon souvenir de jeunesse. Je suis né avec des lunettes. Tu comprends? Mais bref, je jouais au badminton haut niveau dans le temps au secondaire. Tu sais, okay. Genre. Contre des Vietnamiens. Genre, je suis du Québécois à travers. Mais c'est tout le temps des Asiatiques qui sont forts en badminton. OK. Et ping-pong. OK. Mais tout ça pour dire que, tu sais, quand tu joues à un certain niveau, c'est quand même violent pour ton corps, le badminton. Je sais que tu veux. Non, mais tu peux me regarder là. Je sais que tu. Ah, oh, oui. OK. C'est pourvu que tu ne regardes pas là-bas, tu sais. Okay. Tu sais, tu me parles, puis Mimi, tu sais, il y a une limite à cross-side. Je te laisse terminer ton histoire. Mais c'est ça. C'est juste ça. Okay. Le badminton, c'est. Ouais, les gens. Non, c'est pas un coup. C'est violent. C'est pas violent comme physiquement, comme le football, le hockey, avec le plaquage et tout ça. Ouais. C'est des mouvements brusques que tu fais à ton corps. Ouais. Fait que, tu sais, là, c'est pas, on parle pas du badminton là, du vendredi soir, puis pop, puis t'attends le moineau. Non, là, non. C'est ça. C'est, ça roule. Oui. Clac, clac, clac. T'as pas le temps de fait que ça fait bouger ton œil vraiment en réaction, puis ma rétine était déjà faible. Fait que, tu sais, je l'ai su après. Fait que ça a déchiré ma rétine, en fait. What? C'est ça, j'ai eu un décollement puis une déchirure de rétine. Fait qu'il était déjà faible. Puis là, ça a juste fait comme, wow, je voyais des nuages, là. Puis là, j'ai allé avoir mon optométriste puis m'envoyer tout ça à l'hôpital. Puis là, tout de suite, tu sais, fait que c'est ça. Puis ils ont solidifié l'autre parce que ma rétine était déjà faible à la base. OK. Ils l'ont au laser. Non, moi, ça a permis de... Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, cet œil-là est tellement. Je demande trop à cet œil-là. Fait que on m'a dit que j'ai un œil de 72 ans, genre. Calique. Je suis vieux, mais pas à ce point-là. Fait que c'est mais ça. Tant qu'on est dans l'histoire de trucs qui déchirent, là. Tu veux parler de l'accouchement de tes parents? Non! OK, de trucs qui déchirent. Moi, j'ai une petite langue. Elle sort pas plus que ça. Ah! C'est un cours. Le frein. Ça s'appelle le frein de la langue. Ah, où? Ben, il est trop court. Puis mon père était le même. Ben, il est le même. Il est encore court. Puis mon oncle aussi. Mais mon oncle, ça a déchiré quand il a mangé une fille. Ah! I drink to that. Surtout, je fais attention quand ça fait. Fait que, je suis pas lesbienne parce que je veux pas que ça déchire. Hey, imagine comment ça fait mal. Bref, ok. Parce que je suis pas lesbienne, puis ça m'arrive. Oh. Mais là! Les enfants! Je sais, à chaque fois, je suis comme. Quand il y a des questions, je dis, c'est pas une question sur ta vie sexuelle. On aborde tout le temps un petit peu. Je sais pas, j'ai une tendance. Là, c'est même pas moi qui étais allé là, t'imagines? Fait que c'est ça. Fait que mon œil, c'est ça. Fait, mais tu sais, apparemment, qu'il y avait des études qui disaient que le badminton. On revient. Que le badminton, c'est comme le deuxième sport le plus violent pour ton corps quand tu joues à un certain niveau. Oui, OK. Puis le premier, c'est ping-pong. Pas vrai. C'est pas des jokes. Même concept. Là, va sur Google, YouTube, whatever, puis cherche. Tu vas capoter. C'est fou, là. Tu sais, c'est pas le ping-pong que tu joues à Noël chez ton cousin parce qu'il y a une table de ping-pong et tu savais pas quoi faire. Tu sais, c'est. Moi, j'en ai vu. Ça joue. C'est fou, c'est horrible. Pour ton corps, tu sais, il n'y a pas de plaquage, mais c'est violent comme mouvement. Oui. C'est ça. C'est très sec, là. Tac, tac, tac. Exact. Tac, tac. C'est ça qui fait que. Tu sais, c'est ça. Maritine était. On fait un astérix, genre, on résume. Bientôt. Bon, c'est ça. On a passé une heure sur ça. C'est-tu cool, le podcast? Vous avez parlé de quoi?
Hey, mon œil déchirement. C'est ça. Youpi. Youpi. Les journaux. Ouais. Bref. Bon, okay. Au moins, ça dure juste une heure. Je vais manger des bonbons, Seigneur. Il y a deux sortes. Il y a les peach puis les melons. Peach. Là, je veux plus parler. C'est les restants de mes 4 ans. Oh. Mais ils sont encore bons. C'est plein de sucre. Ah, des melons. Oui. Tu sais que j'ai une funky melon, hein? Oui. C'est ce melon-là que ça sent. Ah! OK. Bon, bien, j'espère qu'il goûte la bonne affaire. On n'est pas encore rendu à mon parcours que je fais des chandelles. Non. Je fais des chandelles, puis un de nos gros vendeurs, c'est bonbon melon. Ça, ça goûte. Mais ça goûte ça. Ça sent ce que ça goûte. Oui, pas ça goûte ça, parce qu'il ne faut pas manger la cire, les amis. Mais excuse pour le bruit que ça fait. Ah non, on n'entend pas. Bonjour. Non. Il n'y a pas de son? Wow! C'est vraiment le fun. La petite moumoute, elle empêche les... Une caméra là, là, puis là, puis tu te fais niaiser. C'est ça? OK. OK, je focus. Oui. Fait que là, mais là, on peut passer à... Ben, OK. La photo. Non, photo. Photo, il manque la photo. Là, c'est ça. Puis là, nous, c'est travailleur autonome. En fait, c'est ça. C'est travailleur autonome, infographie. Ouais. Puis là, dans mon ancienne vie... Ailleurs, je suis rendu à plein d'anciennes vies. Oui. Le frère de Peggy, qui est une de mes ex, Babu. Babu de Babu à planche, puis Babu à Musique Plus, puis Babu, tout ça. C'était son frère. Puis là, il faisait de la course automobile. Puis ça ne me tentait pas d'y aller. Puis Peggy voulait y aller à trip, puis elle voulait voir son frère. Puis je voulais aussi voir son frère. Mais la course, là, tu sais. Okay. Fait que là, je me dis, hey, je vais faire de la photo. Fait que là, j'empruntais un appareil photo de quelqu'un. Ouais, je disais, hey, je peux-tu? Fait que là, c'était l'équipe Musique Plus, toute la kit. Fait que j'ai fait comme le behind the scene en photo, puis toute la kit, puis ils ont trippé. Ah. Fait que là, j'ai suivi le reste de la tournée. Mais t'avais tournée. Aucun cours? Ben, j'avais mon background de photo, en fait. OK, OK. J'ai eu un an de cégep. Fait que là, c'est là qu'il est revenu. OK. Fait que là, j'ai refait de la photo là quelques années après, puis je fais, hey, j'aime ça finalement. Ouais. Fait que je suis allé me chercher un appareil photo. Puis là, l'année ou dans les mois qui suivaient, un autre de leurs cousins à eux se mariait, puis je fais, hey, je vais offrir les photos juste pour le fun. Il y avait un photographe, puis je disais, je peux-tu faire des photos? Fait que j'ai fait des photos au mariage, puis ça a refait comme, hey, c'est quand même trippant. Ben ouais. Fait que la photo est repartie comme ça. Fait que j'ai fait au cégep dans le temps, là, c'est revenu, puis là, c'est R plus numérique, genre. Ouais. Fait que je suis revenu là-dedans. Fait que là, j'ai été comme 20 ans photographe, puis ça a parti, puis. T'sais, ma business était, ben, ma business qui était travailleur autonome, en fait. Là. Ça s'appelait comment? Martin Métivier, photographe. Le classique. Le classique. OK. Fait que c'est ça. Mais tu sais, parce que c'était moi, c'est ça. C'était pas. C'était, ben, c'est une entreprise, là, mais tu sais, c'est travailleur autonome. Fait que c'est moi. Oui. Tu sais, j'avais pas d'équipe, là. Tu sais, quand j'avais des gros événements, j'embauchais d'autres amis, puis je me suis créé une communauté avec ça. Mais. T'as-tu eu des employés avec cette business? J'ai pas eu d'employés, c'est pour ça. C'est travailleur autonome. Ben oui, parce que tu sais, des fois, je prenais des contrats. OK. Ou souvent, on prend des contrats, puis on les flippe à d'autres. Je peux pas le faire, je veux pas gérer ça. Mais t'as pas eu genre de gens pour traiter tes photos ou de... Ben, il y a des compagnies externes. Oh ouais, non, j'ai pas eu ça. Non. C'était pas une entreprise. Travailleur autonome, one man army. Oh ouais, OK. Ouais. C'était pas mal ça, mais c'était une business, mais c'est pas une business. En fait, là, je réalise que travailleur autonome et entrepreneur, c'est là. Okay. Tu sais, moi, je pensais que c'était pareil. Ouais. Oh non. Ben, moi, en ce moment, j'ai le terme travailleur autonome vu que je suis pas Inc. Ah ben, moi aussi, je suis pas Inc, mais t'es entrepreneur. Ben, clairement. Oui. Qui t'a dit ça? Non. Non, les termes. Ah oui, mais non. C'est ça. Ah, non, c'est plate, les termes. Je te confirme que c'est... Tu sais, quand tu remplis des formulaires, là. Ah, à cause t'es pas Inc? Ben oui, c'est ça. Comment ça, t'es pas Inc? Ah, je suis content de savoir que t'es pas Inc parce que je suis pas Inc, puis il faudrait que je sois Inc, mais c'est de la paperasse, là. Ben ça, mais c'est qu'en fait, tant que j'ai compris ça, que l'entreprise ne génère pas de revenus assez élevés pour te verser un salaire ici et ça et ça, puis que tu veux... Tu sais, là, un médecin... peut se Inc, parce que techniquement, ils ont une entreprise. Ils peuvent ne jamais Inc s'ils veulent tout sortir, ben, utiliser l'argent. Mais s'ils veulent le réinvestir, ben là, ça vaut la peine de Inc. C'est des gamiques. Oui, il y a plein d'affaires. Là. Bref, fait que si pour vivre, tu as besoin que 70 000 par année, ben là, tu t'Inc, puis le reste, tu le gardes dans l'entreprise, puis à un moment donné, tu veux te verser des bonus, ben go for it, tu vas payer d'impôts. En même temps, il y a des bonnes manières de Inc au début. Oui. Parce que, tu sais, il y a plein de mix, là. C'est ça. Mais non, puis moi, ça ne met pas en danger personne, là. À part, tu t'échappes un pot sur l'orteil, là. Il n'y a pas grand. Tu sais, ça ne va pas exploser, ça va pas. Non. C'est pas de l'alimentaire, c'est pas. Ah oui, mais tu pourrais rester comme ça quand même, tu as les assurances, tu as tout pareil, là. Oui, mais. Tu sais, je pense. C'est pas pareil. Oui, ouais, c'est ça. Tu n'es pas une entité différente. Exactement. Si tu fais... Encore là, ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Je parlais de ça, genre, avant hier.
Moi, j'avais, si tu fais faillite puis t'es ing, mais c'est ta business qui fait faillite, c'est pas toi personnellement. Ouais. Mais tu sais, c'est ma coach, elle m'a dit, en même temps, là, c'est faux de penser idéalistique qu'ils vont pas aller voir. Tu sais, toi-même, ta business est accrochée à toi, fait que c'est entaché. Là. Ouais, bien, c'est clair, puis de toute façon. Oui, oui, puis je pense que là, quand tu vas pour emprunter ou pour tu vas chercher X à Y, puis ils disent signe en ton nom aussi. Oui. Tu sais, signe Mimi Po, puis signe Mimi. Oui, probablement, oui. Pour se baquer, puis au final. Oui. Ouais, Mimi, dans le fond, Mimi, c'est Mimi Po. Puis Mimi, c'est pas ton nom, Mimi, c'est Micheline. Ah! J'ai pas 50 ans! Ah, oh, ça, c'est pas gentil pour les Michelines. On va... Les Michelines, vous commandez en ligne, puis elle vous donne un petit cadeau pour les 6 prochains mois. Pour ma réaction de merde. Ouais, c'est pas gentil pour les Michelines. Et je vais chercher les Michelines pour leur dire, allez chercher votre cadeau gratuit. À l'achat de quelque chose, par contre. Ah, oh, c'est bien ça. Mais c'est que j'ai pas l'air de Micheline, merci. Là. Tu pourrais? Non. Ah, je regarde avec mon œil, je pense que oui, tu pourrais être Micheline. OK, en fait, à partir de maintenant, t'es Micheline. Ah non, on ne peut pas prendre un autre bonbon. Fait que c'est ça. OK, fait que photographe. Fait que photographe, oui. Puis après, est arrivé la... Ben, en fait, entre ça, tu sais, tantôt, je te disais que j'entre pas dans des moules. Temps, tu 20 ans facile. OK. Oui, oui. J'ai fait ça. Oui, oui. Puis tu faisais c'est... quel type de. Je faisais de tout. Je pense que c'était un multidisciplinaire, mais les mariages, j'en faisais 12 à 20 par année. Ah, oui. Tu sais, le plus que je pouvais entrer dans mon. Ben, pas le plus, parce que j'en refusais quand même, puis je voulais que ça fit dans mon horaire. Puis Fiston jouait au baseball quand même de haut niveau, fait que mes fins de semaine, j'essayais de temps en temps d'en garder pour ça, parce tu sais, on allait aux États-Unis, on allait en Ontario, on allait un peu partout, on allait au Saguenay. T'as vu ça? C'est international. États-Unis, Ontario, Saguenay. On allait international. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais... T'avais-tu des saisons plus fortes puis plus basses en photo? Ben oui, mais en même temps, je faisais... Vers la fin, je faisais quand même... Ben, vers la fin des 5 dernières années, je faisais beaucoup de corpo. Okay. Ça, c'est très cool. Puis ça, c'est comme presque à l'année. Il y, y a des saisons basses, mais qui sont après Noël pendant un mois, mettons. Mais, puis même encore, il y en a qui ressortent leur budget. Puis les grosses compagnies. Fait que j'allais chercher des gros corpos quand même. J'avais des. J'avais, tu sais, mon doux, c'était un de mes gros clients. Puis qui est devenu. On en reparlera peut-être tantôt. Là, si on a du temps, parce que là, on niaise. Là, ce podcast-là va durer 2 heures. Mais tu sais, c'est ça, mon doux, je l'ai gardé comme client en photo. Ouais. Parce que je voulais, je voyais mes funky chez eux. Mmh. Fait que je les ai gardés plus longtemps dans mon procédé. OK. Fait que c'est un ça. Peu stratégique. C'est un peu stratège. Mais en même temps, aussi parce que cette gang-là sont vraiment sweet. Ah ouais. La gang au marketing, je les adore. T'sais, je les ai connus 2-3 ans, mettons, en photo. Puis c'est comme si je voulais pas sortir de cette gang-là. Puis les propriétaires de mon doux, les gens pensent comme c'est gros, c'est pas le fun. T'sais, c'est la famille Legault, là. C'est le groupe Legault, je pense que ça s'appelle la compagnie, mais c'est la famille Legault qui ont Mondou et plein d'autres entreprises. Je pense que j'ai écouté un podcast qui a été invité. Oui, chez Niri. Oui. Il est incroyable. Oui, hein? Ah, oui, oui, Marc-André. Oui, oui. Sérieusement, ils sont comme ça, ils sont sweet. C'est un de mes prefs, là. Puis lui et sa cousine. Fait que, tu sais, ils sont 4. Cousins et cousines qui ont pris la business. Il y avait les 2 papas, puis les 4 cousins et cousines ont pris la relève dernièrement. Puis sérieusement, je reste un peu là, je suis plus là, mais je suis encore là un peu en photo parce que la gang au marketing, je les adore, puis la famille. Mais photo, tu prends pas en mindset. Photo? Ben, ils font des événements corpo, puis je fais toutes leurs ouvertures de nouveaux magasins. Okay, ils en ouvrent un peu partout. Tu sais, le matin qu'ils ouvrent, je m'en vais là-bas, je fais des photos du magasin plus la coupeur du ruban. Fait que c'est international. Je suis allé à Rivière-du-Loup, Saint-Jérôme. Ouais, international. Tu sais qu'à Saint-Jérôme, ils font la meilleure crème glacée hein, chez Béa Délice. Je suis intolérante. Oui, mais il y en a sans lactose. Ah oui? Je suis intolérante. Quelqu'un qui est intolérant au lactose, c'est l'eau. Oh! Ah, j'ai découvert une fromagerie avant-hier. Il y a beaucoup de fromage sans lactose. Oui, mais personne n'en parle. Non, parce que c'est rien. C'est le 4e meilleur au monde, c'est un sans lactose. Mou. On dit pas ça de même. À pâte molle. Voilà. C'est, je sais même pas si c'est ça. Non? Oui. Ouais, okay. Ben oui, ça a du sens. En tout cas, oui, vas-y. Donc, c'est ça, la meilleure crème glacée au monde. Impossible. Est à Saint-Jérôme. Pourquoi? Chez Béa Délice. Et on revient faire un lien de fou. Chandelle Funky est née un peu grâce à Béa Délice. Ah ouais? Je ne savais pas ça. C'est la première fois que tu le dis? Non.
OK. Sorry. Bon. Je sais pas si tu vas avoir des scoops. As-tu des scoops? Mais moi, je les ai personnellement. Ah, mon œil. En fait, mon œil, j'en ai pas. J'en parle, mais j'en parle pas. Là. Ouais. C'est juste. C'est pas pertinent à la business, mais en même temps. C'est important. Comme le fait que tu étais photographe, tu sais, c'est comme assez questionné. T'sais. Tu te dis, voyons donc, il était photographe, puis il manque un œil. Oui, il manque un œil. Imagine. T'as pas une prothèse, là, mais. Non. Tu sais, mais c'est ça, photographe, il manque un œil. Imagine, photographe daltonien. Ça, c'est n'importe quoi. Ouais. OK. Il va être diffusé après. Hein? Ouais, après, vous allez comprendre. Un petit okay. Hey, je reviens deux secondes à mon parcours. Oui, Béa Délis. Pourquoi grâce à elle? Ben, OK, on va revenir après à Béa Délis, okay? Ah, OK? Dans mon parcours de photographe, à un moment donné, parce que, tu sais, sur mes réseaux, je suis né avec, mais pas je suis né. Facebook est né dans dans mes heures de photos. Tu sais, ça n'existait pas, puis c'est apparu. Non. Toi, t'es... 2007? Je suis à peu près. Tu sais, toi, t'es arrivé, puis c'était là, genre. Moi, j'ai vu, je pense que c'est le troisième abonné à Facebook. Fait que c'est ça, j'étais photographe, puis à un moment donné, une entreprise qui fait du marketing numérique, tout ça, elle m'a approché, c'est quelqu'un que je connaissais, c'était une de mes mariées, puis elle dit, viens travailler pour moi, puis tout le kit, tu fais de la photo, puis mes réseaux, je les entretenais quand même cool pour un, tu sais, c'est ça. J'avais pas de background en marketing, et rien. Je faisais juste mes affaires puis j'avais du fun. OK. C'est la clé, avoir du fun. Oui, exact. Puis c'est ça. Il faut être transparent, puis il faut être... je cherche un mot, là. Faut que je prenne une gorgée de café. Faut être... oh my God. Funky! Oui, faut être funky. En fait, c'est ça. Mais résilient... Bien, résilient aussi, ça fait partie de mon histoire, là, parce que, tu sais, la COVID est arrivée, mais c'est ça. Fait que là, la personne est venue pour me chercher pour travailler pour elle. Fait que je fais, hey, oui, ça me tente, ça. Tu sais, j'ai toujours voulu faire du marketing, puis je suis jamais allé à l'université. J'ai fait cégep puis formation professionnelle en infographie. Puis, je fais, hey, oui, cool, je vais y aller, j'embarque. Puis, tu sais, là, avoir un cadre. Ouais. Fait, après quelques mois, je fais, ah, je pense pas que ça va le faire. Oh, non. Je suis sorti de là, puis je continue à faire ma photo, puis j'avais des contrats à travers ça un peu, puis toute l'équipe. Okay. Puis, tu sais, ça fonctionne pas, moi, puis avoir un boss. Genre, tu sais, c'était ça. C'est pour ça qu'aussi, là, à ton passage, il disait, hey, est-ce que tu écoutes ta fille quand elle dit, mais tu l'écoutes? Oui, oui, j'écoute vraiment ma fille. Elle parle du dragon. Elle t'a vu comment. Oh, pou. Si tu écoutes le podcast et tu es capable de suivre, bravo. Oui, c'est ça. Bravo. Je sais que c'est pas si pire que ça. Faut juste être super intelligent pour comprendre. Oui, je suis allé au dragon, mais on en reparlera plus tard. Mais au passage, ouais, ça c'était très cute quand elle m'a dit, mais je l'écoute fucking beaucoup, ma fille. Mais c'est ça, c'est différent quand c'est. Ah, ça fait trois fois que je dis fucking. Sorry. Peux-tu mettre 25 sous dans un pot? Ah, ben, tu vas le prendre. mais oui, je l'écoute. En fait, oui. Okay. J'écoute les gens. J'écoute les gens. Mais avoir final, un patron, ben, au final, je décide. Ouais. Mais encore là, au final, oui, j'ai concernant Funky puis mes affaires à moi, je décide. C'est ça. Mais j'écoute les gens. Je pense. Parce que là, ton employeur, c'est que, ben, il fallait que tu suives une direction. Oui. Puis, tu sais, on s'en va vers une direction. Puis en même temps, avoir des cadres de. Tu sais, il faut que ça soit pour telle journée. Puis, tu sais, avoir ce. C'est pas une pression parce que je travaille sous la pression. Puis, tu sais, je faisais des photos de mariage. Je tripe à faire ça parce que c'est intense. Puis, il y a de la pression cette journée-là. Moi, j'adore ça. Tu sais, il y en a qui des photographes qui font hey, moi, je fais pas de mariage parce que c'est stressant. Ben puis, oui. Tout le monde est stressé. Puis, la belle-mère, puis la mère, tout le monde capote. Ça, puis les mariés aussi. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi, j'aime. Ah, tu sais, moi, de. Pour vrai? Ouais, j'adore ça. La post-prod après, j'aime moins ça. Là, tu sais. Quand on a des photos à traiter. Une couple de milliers. Fait que c'est ça. Mais, tu sais, bref, le moment stressant, j'ai besoin de cette pression-là. Anyway, des fois, je me l'inflige, j'ai des affaires à livrer, puis j'attends trop la dernière minute. Fait que, tu sais, je fais partie de ceux-là. Tu sais, c'est ça. Les travaux de cégep remis à minuit moins quart, puis c'était minuit. C'est ça. Je fais vraiment ça. Ouais. D'ailleurs, on revient au dragon. Je me suis inscrit la dernière journée des inscriptions, la veille, à 10h, 11h le soir. Ouais. On s'est challengé, moi, puis. Oui, mais ça, c'était que parce que tu n'osais pas faire le vol. On voulait pas le faire. En fait, moi, je voulais pas. Je voulais pas. Non, mais c'est stressant, hein, comme processus. Non, mais je savais pas. Tant que j'avais pas eu de nouvelles, j'avais pas d'infos de d'autres entreprises. Après, quand tu es rentré dans le processus, tu as des infos, puis tu cherches des infos, puis là, tu découvres, hey, cette entreprise-là, puis on se met à jaser à d'autres. Puis là, je fais, oh shit, OK, on s'est embarqué là-dedans. Ouais. Mais là, oups, deuxième étape, troisième étape, tu as des nouvelles, on reviendra après au dragon. Mais.
Ça va durer deux heures, gars. Part 1, part 2. T'as-tu en masse de batterie dans ton... Ouais, ben, comme quand ça va sonner, on va checker si ça, c'est toujours... Ouais, parce qu'on se rappelle que j'ai un timer à 47 minutes. En fait, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il va falloir que j'aille aux toilettes. Là, les toilettes sont là. La porte ouverte, ouais, en la plus. Porte ouverte, c'est, je déconcentrais à chaque fois, je vois une nouvelle affaire dans la toilette. Je fais « Hey, on a les mêmes sacs poubelles de chez Kirkland, Costco. » Fait que bref, c'est ça. Fait que, tu sais, entrer dans un cadre pour revenir à ça, avoir un patron, puis tu sais... Ça faisait pas partie de ton identité. Ouais, est-ce c'est que pas t'as dans déjà mon ADN. Fait le test des couleurs, le test Nova ou Dynamics? Non. Oh my God! Je vais faire ça? Okay. Ouais. Mais ça coûte comme quelque chose, je pense. Je l'avais fait à l'école d'entrepreneurship okay, de Beauce. OK, je t'enverrai la facture vu que c'est toi qui m'as dit de faire ça. Mais bref, tu sais, c'est ça. Puis au fil du temps, je continue à faire de la photo. Puis là, pouf, quelqu'un d'autre me contacte. Parce que tu sais, la première entreprise, c'était plus des publications. J'étais chargé de compte pour... tu sais, j'avais deux ou trois concessionnaires Hyundai, je faisais leurs publications, on programmait leurs publications. Puis je pensais que tu avais des concessionnaires, c'est comme pardon. Non, j'avais de l'argent, je pense. Mais tu sais, leur pub. Ouais, c'est ça, je m'occupais de leur compte, puis tu sais, je faisais leurs publications, puis on programmait à l'avance, puis tout ce que je fais même pas pour moi, tu sais, dans le fond. Puis là, c'était pas mal juste ça un peu, eux autres, cette business-là. Hein? Tu sais, puis il y avait des clients que j'allais faire les photos pour les publications, c'était quand même cool, mais tu sais... C'est ça. Je suis arrêté rapidement parce que je fais comme, ouais, tu sais, c'est redondant. C'est pas redondant, mais c'était redondant. Ouais. Puis je voyais ça vraiment cool en marketing. Là, je retourne en photo. Puis là, quelques semaines, mois plus tard, quelqu'un d'autre me contacte. Puis ça, c'est plus, c'était pas une grosse boîte de marketing, mais ça en était une cool à ce moment-là. Ouais. Tu sais, c'était petit, là, mais tu sais, il faisait aussi du marketing numérique puis tout ça. Mm-hmm. Mais c'était une coche de plus. Tu sais, il y avait des projets plus globaux que juste des publications. T'es qui? C'est Phoenix Marketing. Félix? Phoenix. Phoenix. Ouais, comme ça brûle puis ça oui, oui. Phoenix. comme Charlotte Cardin. Oui. C'est ça. En fait, on n'est même plus obligé de dire Cardin, là. T'sais, c'est comme Céline. On dit, c'est pas Céline Dion, c'est Céline, là, ça va être Charlotte. Peut-être. Je pense que oui. Je pense que oui. Essaye ça. Dis Charlotte à quelque part puis on va voir si tu vas au camp. Charlotte? Ouais. Mais j'avais une question quand tu as parlé de. Tu changes souvent d'emploi. Non. Oui, non. Bien, comme quand tu quittes, là, que t'es comme, OK, finalement, j'ai plus de passion à faire ça. Bien, sûrement que c'est ça, tu serais plus. Bien, est-ce que c'était difficile de mettre fin? Non, je pense que ça se fait graduellement, qu'il y a comme un niveau mutuel de, hey... Des engagements, puis là, tu sais. Ouais, puis même peut-être qu'eux autres font, hey, ce serait peut-être temps. Puis moi, j'arrive, hey, je m'en vais. Ils font... Auto-sabotage. Ah, peut-être. Mais sabotage, c'est un gros mot, mais j'ai fait comme hey, c'est plus pour moi, genre. Ouais. Tu sais, je retourne à. Fait que t'étais désagréable. Je suis toujours désagréable. Mais non, je pense. Ben non. Non. Mais chez Phoenix, ça a pas tant bien terminé la dernière semaine, mettons. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire, là. Tu sais, c'est. Mais ça peut arriver, là. C'est ça, tu sais. La patronne, je la connaissais déjà parce que c'était la tante d'un kid que je coachais au baseball. Parce que mon kid, tu te souviens tantôt, oui. Je disais qu'il jouait au baseball puis qu'on allait international. Oui. Où on allait international? À Bois-des-Filions. Oh my God, j'ai zéro nommé Bois-des-Filions. J'ai nommé États-Unis, Ontario puis Saguenay. Oui, c'est ça. Parce qu'on allait aussi à Québec, on allait, tu sais, à Ottawa. Mais bref, c'est ça. Fait que là, c'est la tante d'un de ces kids-là. Fait que, tu sais, je la connaissais déjà. Puis là, elle cherchait quelqu'un aussi. Puis elle m'a offert en partant. C'était cool, là, le salaire, puis tout ça. Puis j'étais rendu là un peu, puis je me dis, hey, je vieillis. Puis la photo, à un moment donné, c'est physique, là, la photo. Tu sais, ton chum, quand il arrive, des fois, il est brûlé, c'est sûr, là, parce qu'on se rappelle, ton chum, il est vieux. Mais vous allez voir ça directement comme... parce que dans quelques semaines, c'est ça. Vous allez le constater parce qu'il va passer après moi. Fait que vous allez le voir dans un prochain podcast. Il est vieux. Mais, pauvre petit cœur. Yannick. Oui, c'est ça. Mais bref, tu sais, c'est ça. Je me suis dit, ça peut être cool d'avoir un emploi. Puis ça, c'était plus, encore plus en marketing. Puis tu sais, ça m'a toujours passionné un peu ce milieu-là. Ouais. Puis là, je faisais un peu plus. Tu sais, Oui, t'as puis, plus de temps. Exact, exact. Puis en plus, tu sais, je suis très critique de « je vais à quelque part, là, puis je vais voir
des anomalies ou un logo ou tu sais, c'est quoi mes anomalies? Critiquer, ben là, il y en a un, on n'a pas le temps, le podcast va être trop long. Non, mais au niveau, non, je dirais, en disant ça, je regarde partout, mais c'est pas des ça. Des anomalies de. Mais il y a une erreur dans le texte, mettons. OK. Tu sais, c'est pas aligné comme il faut. Les visuels, c'est ça. Au niveau des visuels, design, tout ça, tu sais, l'infographie, ça, je l'ai, là. Il aurait pas fallu que tu viennes ici au premier épisode parce que ça ressemblait pas à ça, là. Ah non, mais ça, c'est cool. Je parle pas de ça. Je parle, mettons. Non, mais quand même, là. J'avais pas d'exemple, tabarouette. Mais non, mais je comprends, là. Visuellement, là, qu'est-ce qui est esthétique? Ouais, ouais. Exact, esthétique, puis tout ça. Mais tu sais, fait que là, eux autres, il y avait quand même des gros clients, puis ils recevaient, ils faisaient affaire avec une firme externe pour l'infographie puis les visuels. Okay. Là, ça revenait, puis là, ils vérifiaient, puis OK, c'est beau, ils approuvaient. Okay. À un moment donné, je fais, ben non, on ne peut pas approuver ça. Mais pourquoi on ne peut pas approuver ça? Mais c'est pas aligné. Ben oui, non, regarde comme il faut. Le texte avec le titre, il y a comme, pas beaucoup, mais il y a quelque chose. Ah ouais, hein? Oui, regarde comme ça. Tu sais, je faisais. Il fait « Oh my God! » Fait que là, j'avais plein d'affaires, là, des doubles espaces qui n'est pas supposé avoir... Tu sais, je vois ces choses-là. Ouais. Là. Ah, ouais. On passe sur l'autoroute, je fais « Arc! » Tu sais, c'est ça, je critique tout. C'est lourd des fois pour mon entourage, mais en même temps, c'est cute pour mon entourage parce que je verbalise tout le temps ce mais que j'ai à dire. Mais au moins, tu nommes. Oui, exact. Je nomme trop, mais je nomme. Non, mais tu sais, c'est bon. Après ça, tu sais, la personne en fait ce qu'elle veut. Oui. Mais comme moi, exact. Là, tu as quelque chose d'énorme, je te le dis. Ouais. Je ne vais pas être la fille qui va regarder tout le long et qui va rien te dire. Exact. Moi aussi, je vais faire ça. C'est ça. Je vais même essayer de te l'enlever. Ça, non. Ça, c'est. Non, j'ai jamais fait ça. Tu laves les mains? Pas grave, ça. Oh. Non, mais c'est pas vrai. Un, je me lave les mains, puis deux, je fais pas ça. Fait que c'est ça, je nomme juste pour jaser, on s'entend, là, tu sais, c'est juste pour le fun, puis je veux pas nécessairement toujours nommer à la personne ou aux gens concernés, mais là, c'était un peu notre job. C'est vrai, tu l'as pas fait en fin de semaine passée. Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, c'est pas vrai, il ne fait pas son erreur sur sa boîte, eucalyptus. OK. Là, on a un exemple concret. Oui. On nommera pas, mais elle avait un petit marché, puis il y avait un kiosque. Puis la personne sur sa boîte, un de ses produits, il y avait une erreur, il y avait une coquille. J'ai pas osé là parce que la fille, elle fait exactement ce que. Pas exactement, mais elle fait. Elle est dans le même domaine. Je veux pas être celui qui va picosser. Mais oui, j'aurais pu. Non, puis après, elle dit, parce que là, au début, elle dit ah, mais merci beaucoup. Je suis comme bon, je vais pas m'approprier ça, c'est. J'allais dire Michel. Ça va, Micheline? Michel et Micheline. Mais pendant que tu dis des niaiseries, je vais prendre un bonbon. Martin qui a remarqué tantôt, mais tu sais, bon, il ne sentait pas à l'aise de le dire. Elle dit, mais non, il aurait pu me le dire. Je suis comme, regarde, maintenant tu le sais, puis là, elle va là. C'est correct. Mais elle, ce n'est pas sa job principale. Elle n'est pas à temps plein. C'est pas une raison pour avoir des fautes. Tout à fait. Mais bref, ça t'arrive de pas tout le temps. À ton entourage, tu te sens plus à l'aise. Non, mais si c'était, mettons, la deuxième fois que je la voyais, je l'aurais dit. Genre, puis tu sais, elle aurait déjà su que je fais des chantiers, tu comprends? Il y a comme un « Hey, je cherche des bobos, je cherche des bibites à tes affaires, je veux pas avoir l'air de ça. » Mais c'était pas ça l'intention. Peut-être. Non, je sais, moi je sais que c'était pas ça l'intention, puis je cherchais. C'est beau ce café, là. Tu sais, je cherchais pas une bibite, juste je l'ai vue, puis je veux pas qu'elle interprète dans ce sens-là, mais normalement, je nomme. Son interprétation, ça y appartient. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Non, mais à un moment donné, je me dis, si tu sors d'une bonne intention, tu le dis pas de façon arc, gars, non, juste, hey, attention, j'ai vu une faute, ça paraît. Tout se dit? Oui. Je ne l'ai pas dit, je te l'ai dit pour que tu y dises. C'était la messagère. Mais oui, mais vrai. Micheline. Micheline. Micheline a fait son travail. Non, mais puis même, tu sais, moi, avant d'intervenante, là, il y avait des affaires que je sais pas, j'ai rencontré quelqu'un pour la première fois. Puis j'ai dit littéralement qu'elle devait aller consulter. Puis ça a bien passé. Mais dis-le même, ça fait bizarre, là. Ouais. J'ai déjà dit ça à une de mes ex. Non, c'est une joke. C'est une blague. Là, cherchez pas dans mes. Non, j'ai pas tant d'ex que ça. Mais... T'as 50, là, quand même. Mais vous allez voir, j'ai l'air quand même plus jeune que son chum qui va passer dans les prochaines semaines. Sinon, je comprenais pas qu'il avait cet âge-là. J'étais comme, mais non. Moi, je t'aurais donné comme 45. Ouais, c'est la même affaire, 45-50. En fait, dans les faits, j'ai presque toujours 5 ans. À chaque année. Ça, ben, j'ai presque toujours 5 ans. Dans ma tête, j'ai 5 ans. Ah, oh, 5 ans! Pas 50, 5 ans. J'ai presque toujours 5 ans. OK. Ah. Sérieux? Ben, bref, non. Non, en fait, je le sais des fois le matin quand je me lève que j'ai 5 ans. Ah, oui, hein? Hey, ceux qui sont encore là, restez jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir un code rabais. Là, si tu essaies de te rendre directement à la fin, peut-être qu'il ne sera pas vraiment à la fin. Il va peut-être être. Fait écoute au complet. Mais tu peux faire la cuisine, à manger, te préparer le matin. Bon.
En écoutant le podcast? Ben oui. Oui, dans l'auto. Dans l'auto. Ben non, c'est une vidéo. Ah, c'est juste vidéo? Non, ça va être vidéo et audio, mais c'est bien plus le fun. Ah oui, c'est bien plus le fun si tu nous vois. Parce que moi, en janvier, je porte des shorts. T'as vu? Mais c'est presque vrai. C'est vrai? Oui. Pour vrai? Presque. J'en ai jusqu'en décembre, mi-décembre, début décembre. Puis, ben, le haut est habillé, là, mais tu sais, je suis souvent... Je suis pas à trouver ça bizarre, les gens en shirt l'hiver. Ouais, mais... Non, à quel point t'es en chaleur? Moi, je suis pas en chaleur, c'est juste bien. OK. Ouais, c'est pas over chaud, c'est juste... Ouais. Je suis bien. Bon, on va revenir, je suis désolée. Est-ce que vous êtes team shirt en hiver ou pas? Écris ça en commentaire. Mais écoute, j'en mets pas quand il neige, là. Tu sais, j'en mets jusqu'à... Non, mais quand il neige, c'est zéro. Oui, je sais, mais tu sais, quand il neige, j'en mets. Quand il commence, c'est mi-décembre, puis après, je recommence en février, mettons, ou mars. OK. Je suis pas tant... C'est quand ta fête? Ah, ça, c'est le 17 juillet. OK. Pas rapport. Non. C'est ça. Là, arrête de me déranger. J'avais un parcours à nommer, puis on est rendu à la fin du podcast. Hey, merci d'avoir été là. Non! Non! On continue. Attends, on est rendu où? Bien, la deuxième boîte est venue me chercher. Oui. L'offre était vraiment cool. En fait, j'ai comme la première rencontre qu'on a eue pour qu'elle me jase de l'offre qu'elle voulait me faire. Ouais. Si je voulais quand même travailler pour ce genre de boîte-là. Okay. C'est une micro-boîte, là, mais c'était vraiment cool. Puis j'adore cette fille-là. Oh, oui, puis j'adore cette fille-là. Tu sais, je la connaissais. Oh, 47 minutes. 47. Mais c'est correct, là. C'est l'heure du pipi. Ah oui. Ah non, on va répéter. Okay. Non, mais pour vrai, j'irai faire pipi. Tu iras faire pipi? Oui. OK. Restez là. Non. Là, les gens, ils vont dire, what the hell? Je coupe. C'est la séance. OK. Fuck le parcours. Non, on va continuer après. OK. Ben, en fait, non, pendant que tu le fais, tu peux continuer. OK. Es-tu capable? C'est-tu ici que ça se fait? Oui. Fait que là, on va tasser les affaires. Fait que si on oublie ça. Non. Non? Ça va pas venir après. C'est pas ça, j'ai juste... Bonjour. Ici le bonhomme carnaval. Je suis capable. Ça, je fais ça. Parle à mon entourage, là. Aussitôt que je vois quelque chose que je peux faire, ça, je fais ça. Ouais. Bonjour, et c'est le bonhomme carnaval. Peu importe, je suis où. Ouais, j'enlève tout, là. J'ai des tocs. J'ai des tocs. Mais écoute, non, il est photographe. Des tocs, t'as parlé. Bon, okay. Mimi, là, il faudrait que tu répondes à la question. Comment voyez-vous l'avenir de votre domaine d'activité et quel rôle aimeriez-vous y jouer? Ah, c'est ton podcast, hein? Non, mais c'est ça. Là, en plus, tu fais des bougies, il y a full compétition. Non, c'est moi qui t'ai posé la question. Pourquoi? Ben, c'est moi qui l'ai pigé. Mais... Pour toi. Hey. Ben, mon domaine du béton, il l'a là. Pour vrai, là, c'est moi. Hey, tu fais-tu du béton? Hey, OK, attends. Mon domaine, là, c'est que je vais inviter des gens à travailler à ma place et vont démouler à ma place. Wow! Okay. Ça, c'est mes gants? Oui. T'as vu, ça fit? Je sais! OK. Trop d'excitation pour des toi, gants. Là, toi, là, t'es pas du genre à être observatrice, hein? Non. Non? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi il fait des choses comme ça? Okay. Je démoule le C pour Caroline. Attends. Et là, on fait quoi avec? Oui, c'est ça. On va les mettre ici. Wow! Comme ça. Comme ça. Hey! On les met où? On les met à là? Terre. Ben oui. Ça, fait, oh! Fait il là, était ça, collé! Ça, c'est ton quotidien, right? Oui, exact. Puis là, en plus, je te fais pas chier parce que... OK, toi, fois... dans le même segment... Mère des chiens. Bravo. Regardez ça, okay, ça va être des nouveaux petits reliquaires. Je pense que ça va être chiant un peu, ça. Ça, le truc, OK, garde moi le faire avec toi. T'as-tu un exacto? Je peux couper le moule? En fait, comment ça fonctionne, les moules, c'est toi qui... Comme les... ça. Comme ça. Ah, OK, tu déroules. Après, comme ça. Déroule le rebord. Puis là, après, tu... Aïe, aïe, mes doigts! Tu dois enlever la suction en faisant ça comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, après... C'est quand même physique, ta jeune. Oui. Ça fait pas briser? Non. Là, tu l'enlèves comme ça, regarde. J'espère que vous avez entendu ça. Je n'ai même pas vu ce que ça fait. Je ne regardais pas ce que tu faisais. Je tourne le déroule le rebord, c'est bon, il fait ta main. Hey, là, tu mets. Parce que je vais te montrer. Ok, je mets mon doigt pour enlever la suction. Ouais, mais ça va. Mais là, mes doigts sont trop petits. T'as vu ça? Regarde ça, comment c'est beau. Ok, vas-y. Puis là, mais ça, en fait, tu peux le dérouler au complet parce qu'il est petit. Oh! Oh, Seigneur. C'est une évacuation. Puis là, après, faut que tu l'amènes. Attention! Oui, je pense que je vais gagner, là. C'est... Oh,
Ah, oh, ça n'a même pas fait de bruit comme toi. Là, ça sert à quoi? C'est un vase. Ah, un vase à fleurs. Pour une fleur. Ben. Maintenant, celle-là. Celle-là, je vais te montrer comment faire. Là. Faut que... Hey, le but, c'est que tu sois ma main-d'œuvre aujourd'hui, là, que j'ai pas à démouler. Ah, c'est cheap labor. Oh my God, en fait, on n'enregistre même pas. Puis là, regarde, ça, c'est comme ça, parce que ça, il peut briser, mettons. Là, okay. Tu enlèves doucement la suction. Il y a de la suction à chaque? Tout le temps. OK. Tout le temps. Hey, ça va être le bordel ici. Ça va être le bordel. Si je brise rien, bravo. Hey, pour vrai, c'est... Fait que, dans le fond, les moules, tu les fais toi-même? Là, ou... il fallait... la plupart, de le savonnier, la lettre C, ça, oui. Il y a juste les vases que... puis lui que non. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les plantes. Ça, c'est pour des petites plantes. Mini plantes. Oui, des petites plantes. Hey, ça fait de la merde, hein? Ouais. Les autres fois, tu les as faites où? Ici. Ouais. Ça, c'est pour mettre des bougies, pour couler des bougies. Ah. Des trois mèches? Oui. Ah, j'aime pas ça, des trois mèches. Oh, sorry. En fait, là, t'es supposé continuer sur ton parcours. Ah! Parce qu'on se rappelle, c'est mon parcours. En fait, c'est ça. Je disais ça, hein, juste avant. Hey, je serais pas capable de faire ça plus parler. Mais il est cool, lui. Oui, hein? Ouais. Merci. Très ça, cool. C'est une belle boîte à bijoux. Tu veux démouler la boîte? Ça veut démouler la boîte. Fait que dans le fond, Marie-Chantal, quand elle m'a approché... Ouais, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Ah, OK. Ben, elle s'appelle encore comme ça. Ne fais pas de conneries. Quand elle m'a approché pour que j'aille travailler pour elle, j'avais déjà travaillé une fois ou deux en contrat externe pour eux autres faire des photos pour leurs clients, puis pour eux, pour leurs photos officielles à l'équipe, toute l'équipe là-bas chez Phoenix. Puis... notre rencontre pour qu'elle me jase, tu sais, des possibilités d'aller travailler avec eux, puis tu sais, la proposition qu'elle voulait me faire, on est allé chez Decans. Connais-tu Decans? Ben oui. Bon, on est allé manger chez Decans. Fait que tu sais, au lieu d'avoir un dîner classique, ben là, oui, tu sais, dans sûr. Un resto chic et tout, on est allé chez Decans, fait que j'ai pris ma bouffe Decans, puis c'était avec un crème soda. J'adore le crème soda. Déjà, elle m'avait déjà, là, mais tu sais, son dynamisme, puis tout ça, je l'adore, Marie-Chantal. Puis là, tu sais, finalement, j'ai accepté l'offre parce que c'était vraiment alléchant, puis c'était multidisciplinaire, puis je devenais, c'est quoi mon titre? Directeur, en tout cas, j'avais, pas directeur, mais en tout cas, je m'occupais de quelque chose. Puis, comme je te disais tantôt... M'occupais de quelque chose? Oui, comme je te disais, ça aussi, c'est cool. Oui, c'est pour mettre des cendres. Ah, il est croche, lui. De quoi, il est croche? Oui. Mais c'est la vie. Oui. Hey, c'est pas la vie, c'est pour mettre des cendres. Yeah. Wow. Cute. Oui, hein? Oui, c'est très cute. Merci. T'as-tu aimé l'expérience? Oui, ça, c'était quand même cool. C'est quand même cool. Mais, t'étais vraiment dans mon univers. Quand même, hein? C'est physique, ta job. Oui, quand même. Nous, c'est physique de temps en temps. Tu cherches? Oui. Tu gèles. Si tu regardes là-bas, tu gèles. Non, tu ne trouveras pas. Tu aurais déjà trouvé. Mais vous j'ai autres, pas vous savez, vous avez vu le changement, là, la différence. Je bidonne. C'est pas cool. T'auras pas ton cadeau. Là, c'est bon, là. Oui, oui, non. Après, on continue, je garde. Okay. Hey, en fait, mon parcours, ça n'a aucun sens. Il n'est pas long comme ça, mon parcours. On n'a même pas commencé à parler de Chandel Funky. Non. OK, je rappe ça. Oui, okay? on rappe ça. J'allais travailler chez eux. C'était vraiment cool. Puis, tu sais, j'ai développé quelque chose de différent chez eux pour des clients, puis toute l'équipe. Tu sais, ma tête, elle fonctionne tout le temps. Puis j'avais des idées un peu funky. Déjà là-bas. Oui, mais en fait, c'est lourd, ça. C'est fatigant. Ouais. Tu sais, quand tu dors, mon cerveau, il fonctionne. Genre, tu sais, ça m'arrive quand même encore que je me lève dans le milieu de la nuit, puis pouf, j'ai une idée, je l'écris, puis je me rendors. Pour vrai? Ça a toujours été comme ça. Mon cerveau, il fonctionnel tout le temps. T'as c'est vrai. Cool et lourd à la fois, mais c'est quand même cool. Fait que, bref, je suis allé travailler là, c'était vraiment cool. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait deux coqs dans la place, mettons. Ah, OK. Puis l'autre coq, c'est son chum. Ah. C'est ça. Fait que, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, la structure, elle devenait trop serrée, puis il changeait la façon de faire, puis tout le kit, puis je fais... Bye. Ça me convient plus. Exact. C'est terminé. Fait que je suis parti. C'est respecté, c'est bon. Ouais, ouais. Ça s'est plus ou moins bien terminé parce que X, Y, mais tu sais, une semaine, mettons.
tu sais, la dernière, je fais « Hey, OK, bye-bye, c'est assez. Ah » ouais. Fait que c'est ça. Mais bref, j'ai quand même adoré ça. Je trippais, là, tu sais, c'était quand même cool. Mais c'est là aussi que j'ai fait comme « Hey, le cadre, puis moi, ça le fait pas. » Fait que, tu sais, je suis retourné en photo. Puis là, j'étais à mon pic, je pense, en photo. J'avais comme une vingtaine de mariages par année, puis tout le kit. Et ouais. COVID. Ouais. Terminé la photo. Mais est-ce que tu te sentais sur ton X? Ou tu trouvais qu'il y a encore qu'il y a... En photo? Ah oui, je pense que je l'étais. Ouais. Le pire, ouais. Ben pas le pire, là, mais oui, oui, j'étais sur mon X, que je trippais, j'avais du fun. Fait que là, t'as pogné... Puis j'avais, oui, j'ai eu un down de la mort, là, tu sais. Puis je ne, ça faisait pas tant longtemps que je m'étais séparé, puis... Plein d'affaires, tu sais. Mais ça, c'est correct, parce que c'était un peu ma décision, parce que j'étais... Ça aussi, on rentrera pas dans les détails, mais tu sais, c'est ça, j'étais rendu là aussi. Oui, mais il y en a... Tout le monde se sépare un jour, là, quasiment. What? Par la mort. Dans mon reliquaire, OK. Oh my God! Mais bref, la caméra est croche. Mais oui, je sais, mais ça, je vais l'ajouter. Oui, si on est comme ça, on est correct. Mais bref, c'est ça. Oui, j'étais sur mon X en photo parce que ça faisait tellement longtemps. Sinon, j'aurais juste switché à autre chose. Ouais. Tu sais, je trippais là, puis je faisais un peu d'infographie, mais mon infographie, tout ça. Mais la photo, oui, je trippais à faire ça, puis je rencontrais des gens, puis on avait un groupe d'amis photographes. C'est serré, ils sont encore mes amis d'ailleurs, mais tu sais, puis je refais de la photo avec eux de temps en temps. Tu sais, j'ai des amis qui font des mariages puis ont besoin d'un deuxième photographe. J'y vais, je vais les aider, tu sais, je ne vais pas les aider, mais je suis leur deuxième photographe. Puis souvent, je vois par la suite qu'ils m'engagent juste parce que je vais avoir du fun puis je vais niaiser cette journée-là. Genre, je fais, OK, c'est pas ma photo que tu veux, c'est comme moi que tu veux. Comme mes niaiseries, tu veux que je détende l'atmosphère, tu sais. Fait que j'ai vu que j'ai une amie qui a embauché pour un mariage, qu'elle pensait que ça allait être difficile, puis tout le kit. Fait qu'elle m'a embauché pour comme, hey, tu vas calmer l'atmosphère. OK. Tu sais, j'aime ça. Comme je te dis, la pression des mariages, j'adore ça. Fait que, bref, oui, je pense que j'étais sur mon X pour revenir à ta question. Mm-hmm. Puis là, mais la COVID est arrivée, puis une nouvelle relation. Puis là, écoute, ma tête, c'était débile. Là. J'avais besoin juste de décrocher, puis décompresser. Fait que le premier confinement, je me suis mis à faire des potagers. Quoi? Tu sais, des potagers pour faire intérieur? Des... Intérieur? C'était extérieur. OK, des petits... Bacs en bois, là. Ouais, des petits bacs en bois. Puis je suis pas manuel. Tu sais, j'avais une aiguine puis une drill à fil, genre. Une aiguine? Une aiguine. C'est quoi ça? Tu sais pas c'est quoi une aiguine? Pas non. C'est une scie à main. Ah, ben j'en ai une. T'as une aiguine? J'ai une scie à main. Ah, mais c'est une aiguine. Ça s'appelle aiguine. Fait que c'est ça. Fait que j'avais ça. Fait que je me suis mis, je voyais ça passer sur les réseaux, là, au printemps, premier printemps du bordel. Fait que, ouais, c'était le bordel. J'avais juste besoin de m'aérer la tête. Fait que là, j'étais à Saint-Jérôme dans le temps. Puis, dans le cours arrière, j'avais de l'espace. Fait que je me suis mis à faire des potagers, mais j'ai trouvé un modèle sur Internet. J'ai modifié pour qu'il soit un peu bizarre, différent, en fait. OK. Puis, j'aimerais savoir des photos. On en mettra en lien. Ouais. Mais pour vrai, il était vraiment cool. Puis, tu sais, mon but là, avec ça, c'est d'en faire une dizaine, puis aller les donner, puis les porter à des amis. Parce que, tu sais, on ne pouvait pas voir les gens, sauf si tu avais une raison, genre. Fait que moi, mon but, c'est d'aller dropper un potager chez les gens, puis rester dans leur entrée de garage, puis jaser avec eux. Ouais. Fait que c'était un peu ça. À la base, c'était un peu ça. Fait que j'en ai fait une dizaine, puis je mets pas mal ma vie sur les réseaux. Là. Fait que, tu sais, je publiais mes making-of, puis toute l'équipe de behind the scenes, puis blablabla. Fait que là, les gens ont commencé à faire « Hey, j'en veux moi aussi! » Je suis comme « Ouais, mais je ne vais pas faire des potagers dans la vie, là, tu sais. » Mais finalement, j'ai fini par en vendre 150. Quoi? Ouais, c'était comme une usine. À un moment donné, j'ai arrêté parce que j'étais à bout, là. De... Ça tentait plus. Non, mais je suis pas manuel. Pour vrai, je suis pas manuel, là. Tu sais, là, j'ai vu que je suis un peu manuel, mais... Avec... Puis je les ai appelés les imparfaits. Ça vient de là un peu mon surnom, l'imparfait. OK. Parce que il était croche un peu. Tu sais, je m'étais fait faire un stencil, puis j'avais marqué « Métivier l'imparfait », puis c'était un potager imparfait. Ouais, jusqu'au détail. Oh oui, en fait, ma devise, c'est « all in or nothing », ou « tu le fais » ou « tu le fais ». Tu sais, j'ai toujours montré ça à mes enfants, « tu le fais » ou « tu le fais ». OK, y a pas d'option. Non, t'as pas d'option. C'est, t'embarques dans quelque chose, tu le fais. Ouais. C'est vrai que c'est ça, c'est un peu ça. C'est ça. Mais oui, t'es très fort, réseaux sociaux, quand même, dans le sens, tu vas juste pour avec tes chasses à la funky. Ouais. Allez, non, mais il y en a qui ne voient pas l'intérêt de mettre autant de temps sur les réseaux sociaux. Oui. Fait que toi... Je m'amuse en même temps, puis je sais que ça... En fait, je le vois l'impact que ça a. C'est ça. Tu sais, TikTok, on va, pour faire une mini-parenthèse à ça, je ne voulais pas être là. Je voulais... zéro, j'avais comme... Hey, je m'éloignais de ça. Et là, TikTok, c'est comme...
C'est fou pour Flandel Funky, ça fit, c'est un fit. Mais ça, au départ, je voulais pas être là. Puis là, j'y suis fois mille, c'est un peu à la base contre moi. Mm. Puis là, je suis pris mon bras dedans, mais ça fonctionne. Puis tu sais, sur les réseaux, tu vois plein de gens qui le disent. T'as vraiment des ventes qui en ressortent? Ah, vraiment. Le TikTok? Ah oui. Oui, oui. TikTok, les points de vente, là, j'ai plus que le 3, plus que la moitié de mes points de vente viennent de là. Oui, parce que, tu sais, ça se challenge entre boutiques, eux autres, là. Okay. Ils voient que, hey, il y a une boutique, là, qui est, tu sais, je vais pas la nommer, là, mais la Commère Magasin Général, Nancy, elle, les gens la copient, là. Tu sais, ils voient que, OK, ça marche, mais Nancy est à côté sur les réseaux, là. Ben oui. Tu sais, fait qu'elle a compris que se mettre de l'avant, c'est ce qui fait que les gens s'associent puis s'approprient ta marque puis te connaissent. Fait qu'on a l'impression de te connaître. Mm. Fait que, tu sais, ça, c'est un turnaround. Puis moi, j'ai vu Nancy sur les réseaux quand j'ai commencé à regarder TikTok. J'étais pas sur TikTok encore. Je regardais TikTok sans avoir de compte, mettons. Je la voyais à ses débuts. C'était vraiment à ses débuts qu'elle faisait ses trucs. Puis là, son magasin, puis c'était juste Chicoutimi dans le temps. Je suis comme, OK, elle joue un rôle un peu. C'est cute. Puis à un moment donné, j'ai envoyé de quoi? Des chandelles, puis elle a trippé, puis elle en a parlé, puis elle a dit « Ouais, je vais mettre dans tes... » Puis là, quand elle m'a mis dans ses boutiques, sa première boutique, en fait, ça a parti, je suis comme « Wow! » Puis là, les points de vente... C'est quoi les odeurs qu'elle avait pris? Elle a pris pas mal tout. Ah oui, un peu tout. Dans sa boutique, elle n'avait pas ça encore. T'sais, il n'y avait pas beaucoup de compagnies qui faisaient un peu nos odeurs, là. Là, il y en a de plus en plus, là. Ah oui? Mais tu sais, ben, j'en ai des funky de funky, là, mais tu sais, les funky moins funky. OK, oui. Il y en a de plus en plus des compagnies funky qui moins funky. C'est ça. Barba Papa, puis Gum Balloon, puis tout ça, là. Tu sais, il n'y en avait pas tant au début, là. Des odeurs plus comme qui sentent bonnes pour le cornichon, ça sent bon. J'ai une funky cornichon, tu vas l'adorer. Mais c'est ça. Fait que Nancy, tout ça pour revenir au réseau, si tu ne te mets pas de l'avant, si tu mets juste ta marque, ça peut fonctionner. Mais si tu te mets toi de l'avant, c'est fois mille. Je te le garantis, je le vois. C'est fou ce que tu dis là parce que c'est comme très polarisé, cette opinion-là. Oui. Très polarisé. Puis il y en a qui se disent, ben là, mettons que je veux vendre ma business un jour. Ben là, c'est l'autre chose. C'est ça. Ça dépend. Exactement. Ça, t'as d'accord. Mais oui, t'as raison sur ça. Oui, mais ça dépend de ta marque. Mais encore là, si ça a fonctionné, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève de ça. J'avoue. Il y a des exceptions à ça, là. Mais tu sais, ça dépend. Moi, à mon échelon de business, je pense pas que quelqu'un va racheter ça puis va faire d'autres choses avec ça. C'est pas mon but, en fait. Tu sais, je vais créer ma job. Puis je veux grossir ça, mais à la base, je veux pas donner une... Tu sais, c'est pas un produit comme toi non plus. T'as pas un produit que tu peux... En fait, je suis en train de dire qu'est-ce que tu veux faire, pas faire, mais tu sais, c'est une business, mais c'est pas artisanal, mais c'est artisanal. Mais c'est que je pourrais un jour le faire en Chine, mes pots, ça tout se fait, mais c'est pas ça que je veux pour la business. Exact, c'est comme ça que je le vois avec ta business aussi. C'est toi, c'est ici. Puis là, j'aimerais ton opinion par rapport à ça, justement, parce que à un moment donné, j'avais engagé une compagnie de branding. Puis là, ils voulaient comme un peu enlever ou... Mais là, ce que je faisais de bon, on dirait. Genre, tu sais, moi, là, je me filme tout seul parce que je suis tout seul. C'est ça. On est des solopreneurs. C'est ça. Puis là, ils étaient comme, non, mais ça va faire plus professionnel si on faisait comme si t'avais une grosse équipe, puis nanana, puis que c'est filmé de l'extérieur. Puis là, peut-être parler au nous et non au jeu. Mais c'était... Je fais les deux, moi. Oui, c'est ça. Je fais les deux, on dirait, des fois. Mais est-ce que ça fait moins haut de gamme quand... Non. Mais qui t'es... En fait, c'est ton produit. C'est ça qui parle, je pense. C'est ton produit qui parle. Et puis les gens, ils s'associent à toi. Mais tu sais, des fois... Non, mais des fois, tu en as une petite équipe, là. Oui. Des fois, tu as une grosse équipe quand c'est des rushs. C'est la même chose pour moi. Souvent, je suis seul, mais j'ai une équipe. Tu sais, j'ai mes funkiers, là. En fait, je les ai appelés les funkiers, là. Tu sais, j'ai ma gang de funkiers qui viennent funkier. Mais tu sais, j'ai eu des rushs, là. On a eu Mondou, qu'on a fait 10 000 chandelles pour eux. J'avais jusqu'à 7 personnes qui étaient là, puis c'était cool, là. Ma gang est incroyable, cette gang-là. Puis, comment tu as fait pour te virer de bord puis les former, ces gens-là? Ouais, mais... Ils étaient compétents? Oui, mais en même temps, c'est des étapes simples dans notre chaîne. Puis là, il y en a qui étaient plus forts pour certaines étapes. Fait qu'on... Tu sais, c'est ça. Puis il y en a qui ne pouvaient pas faire d'autres, tu sais, fait que... Non. Il y a plein d'étapes, là. Mais c'est toi qui as décidé qui faisait quoi? À peu près, oui. À peu près. Puis, en fait, ça s'est fait naturellement, là. Ah, OK. C'était quand même cool. Parce que ça, des fois, on dirait que ça peut faire peur de, comme, anticiper de comment tu vas déléguer. Oui. Déléguer, c'est très difficile. Ceux qui sont capables de déléguer, bravo. Je suis de plus en plus capable, mais en même temps, tu sais,
on n'a pas de budget nécessairement pour embaucher. On a, tu sais, c'est là, là, on est comme à croiser de « Hey, j'ai des rushs, j'embauche. » Mais tu sais, j'ai des gens… Là, tout l'argent va là. Puis exact, là, t'as pas tant de retour. Mon doux, là, tu sais, j'ai eu des frais de ressources humaines incroyables. Mais en même temps, c'était cool, ce projet-là. C'était challengeant, c'était… Tu sais, c'est ça. Fait que, oui, tout ça, ça pour dire que, tu sais, TikTok, à la base, je voulais pas être là, mais j'y suis fois mille. Là. Des fois, je pense que je suis trop. Mais en même temps, les gens trippent. J'ai, comme je suis parti des chasses à la funky pour le fun. Je m'en allais à Québec. Non, oui. J'ai arrêté au Madrid juste en disant, « Hey, on va déposer une chandelle là. Je vais me filmer. » Tu sais, j'ai eu une bulle. Ouais. Fait que là, je dis, « Puis quand on va revenir, deux jours après, on va juste reprendre la chandelle puis on va retourner à Montréal. » Mais tu sais, elle a été trouvée en 45 minutes. Hey! Puis pas quelqu'un de mon réseau. C'est quelqu'un, c'est pas quelqu'un que je connais, je veux dire. Quelqu'un qui suit Chandelle Funky. Okay. Puis elle, quand elle s'est filmée, puis elle dit « Ah, on a trouvé la chandelle! » Je fais « What? » C'est bien nice. Ouais. Hey, c'est fou puis que là, tu pensais de plus en plus aller la rechercher. Ben oui, dans ma tête, je disais ça. Je fais comme « Hey, je vais... c'est une niaiserie. » Je fais « Hey, je fais une chasse, je la drop, puis je vais revenir la chercher parce que les gens n'ont rien à foutre, là. » Mais là! Mais tu sais... Je pense que les gens te suivent, mais ils ne te suivent pas tant. Oui, ce n'est pas parce que tu as 7 000 abonnés que les 7 000 abonnés. C'est ça, j'ai 7 000 abonnés, je n'ai pas 100 000 abonnés, c'est ça que je m'en ai dit. Ouais. 7 000, c'est quand même cool, mais ça n'a rien à voir avec les 50 et 100 000. Là, t'sais. Fait que t'sais, ces choses-là... Non, mais encore là, des fois, ça ne veut rien dire. Non, je sais. Puis mes 7 000, c'est des vrais 7 000, en fait. T'sais, là, ils sont vraiment impliqués. Mais j'ai 7 000 à cause de moi, mais je ne savais pas que tu en avais 7 000 aussi. J'ai 7 700, je pense. Oui, c'est ça. Sur TikTok, j'ai 7 007, puis j'ai... Voyons. Tu m'as fait un trou. Ouais, ah, je pensais que c'était... Ah non, c'est ça. T'es-tu fiancé? Non. Ah. Non. Nick, come on. Comment tu l'appelles? Yannick. Ah, j'ai compris. Nick. Nick? Non, c'est ma cousine. Nick. Ta cousine? On se bague. Elle avait comme plein de bagues, puis j'en avais aucune. De quoi? On dit bague. Ce segment est commandé par... Est commandé. Commandé! OK, on coupe. Oh my God. Okay. Non, mais c'est ça, pour revenir au réseau, oui. Je me mets de l'avant, puis ça fonctionne. Fait que, ouais. Tu sais, je le fais, puis tu sais quoi? Ben c'est oui, un peu, c'est un peu drôle parce que, je vais dire très, 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 très humblement, parce que c'est des exceptions, je me fais reconnaître. OK, ben oui. Ça, c'est un peu drôle, vraiment. Oui. On est en vacances dans le Bas-Saint-Laurent, on sort de l'auberge. Ah, le Bas-Saint-Laurent puis, en plus. Ouais. Puis là, j'ouvre la porte pour s'en aller, puis là, je laisse la fille rentrer. Puis elle fait, oh, t'es le gars de Chandelle Funky. Je fais, wow. Ça, c'est creep. C'est la première fois que ça arrive. Très cool. Ça arrivait une couple de fois, mais tu sais, il y a eu les dragons, mais là, c'était après les dragons. J'ai pu les retomber des dragons. Non. Parce que j'ai eu les dragons, ce retombé-là, et il a duré deux semaines peut-être. Ouais, tu sais, les gens te voient, puis ils font, ah, puis là, tu sais, ils cherchent où ils t'ont vu. Ça. Mais tu sais, puis en plus, c'était l'été, moi, c'est le dernier épisode de l'année. Fait que tu sais, c'est fini. Il n'y a pas, hey, la semaine prochaine, ils sont encore Mindé Dragon. Tu sais, fait que tu sais, ça, c'est là, pas là. Fait que tu sais, là, je me fais reconnaître là, où je vais, là, deux semaines, chez la commère, pour parler d'elle, en fait, j'allais à Québec. Ouais. Puis, mini vacances, road trip. Puis. Oui, c'est en même temps, pas juste pour aller là. Non, j'allais pas là. J'allais, on s'en allait. En fait, on fait ça souvent. On roule, puis on sait pas où on s'en va. Puis là, on arrête à Québec. Puis je vais souvent, en fait, quand je vais dans ce coin-là, chez Le Cogi, mon café préféré à Québec, là, c'est des amis. C'est des micros, un petit café. Ils sont sharp, ces gens-là. On c'est va à Québec kids. En fin de semaine prochaine. Ah, mais tu t'en vas là, chez Le Cogi, à Limoilou. Faut que tu ailles là. OK. Ouais. T'as pas le choix. Photographe, mariage à Frachanteau-Frontenac. Ah, nice. C'est pas très ça, 15 minutes de là, même pas. Ah. Faut que tu ailles là, puis tu vas triper son Camille et. Good. Ouais, ils sont incroyables. C'est deux kids, ils ont ton âge. Ils sont plus jeunes. Deux kids! Ah, mais c'est des kids, pour vrai. C'est des entrepreneurs incroyables. Ils ont parti ce café-là. Ils se sont mis de l'avant. Mm-hmm. Je fais un loop avec ça. Là. Ils se sont mis de l'avant sur les réseaux TikTok. Okay. Pendant l'ouverture. C'était même pas ouvert encore. Là. Ouais. Puis, tu sais, il y avait leur local, puis c'était détruit, puis tout le kit. Ils ont monté ça, puis ils étaient full connus avant d'ouvrir. Puis, ils ont ouvert ça pendant COVID. Un café, ils ont lâché leur job. Ils sont incroyables, ces deux-là. Mmh. Puis, je les adore vraiment. Puis, tu sais. Non, mais bref, ils sont chers. Oui. Puis, ils ont ouvert ça, puis c'est ça, ils se sont mis de l'avant, le build-up de l'entreprise, du café. Ouais. Puis, ils ont été connus avant d'être ouverts. C'est puis il y avait, je pense, je ne me souviens plus combien de milliers d'abonnés qu'il y avait, des 10, 15 000 genre. Puis Corée. Il y avait des entrevues dans les radios, télé, tout le kit, avant d'ouvrir. Tu n'as pas ouvert encore. Sacré. Fait que juste la force des réseaux. Ouais. Puis ils faisaient juste se mettre de l'avant
on a telle embûche, puis tu sais, tu mets le build-up, là, tu sais, ouais, parce que souvent, on met quand ça fonctionne bien, tu sais, quand ça fonctionne moins bien, on le met moins. C'est un réflexe normal, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, les autres, ils ont tout mis, c'était là, puis là, ça fait comme plus qu'un an. C'est vraiment cool, il y a du monde tout le temps, puis ils sont sharp, sharp, sharp. Ah, mais j'ai hâte, OK. L'espresso orange, là, tantôt, je te parlais, là, c'est un café limo chez Labine. Mais espresso orange du Kogi, le Kogi, ça s'appelle, c'est vraiment bon. C'est là? Ouais, oui, c'est là. Mais peut-être que je vais essayer quelque chose d'autre. Oui, oui, t'essaieras, en fait, tout ce qu'ils font. Mais pour vrai, on s'habitue. Ouais. C'est pas… Ça prend 3-4 gorgées, puis après, pour vrai, je triple. Tu sais, quand je sais je m'en viens à Mascouche, il faut que je passe chez Labine, puis j'ai la salive le plus approche, puis j'ai de la salive dans la bouche, je fais comme « Ah, ça va être bon! » Mais là, j'ai une question. Ouais. Je sais que dans mon pot, mais là, j'y connais un petit peu mes questions, mais c'est un peu avec le… Tu sais, en lien avec le titre « Sors de ton moule », tu sais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a le… T'as-tu eu un défi où t'as le plus sorti de ton moule, ou t'as… Pas un échec, mais justement un défi, un apprentissage? Mais en fait, juste… Comment t'en as sorti? COVID, oui, exact. T'sais, COVID, ça a été ça. Tantôt, je disais, premier confinement, j'ai fait des potagers. Là, entre le premier et le deuxième confinement, autre séparation. puis là, deuxième confinement, fallait que je retrouve quelque chose pour m'aérer l'esprit parce que ma tête, elle voulait juste exploser. J'avais besoin de défis, puis j'avais besoin de trucs pour justement sortir changer mon fou. Changer tes idées, là. Exact. Puis là, j'ai vu passer sur les réseaux. Donc, c'est ça. Donc, je disais juste avant la coupure, un défi. Ça, c'est un défi. C'est quoi la question? Ben oui, ben y a-tu un échec ou un gros échec? Défi que tu as dû surmonter? Puis comment t'as fait? Ça l'est, en fait. Tu sais, deuxième confinement, pour vrai, j'allais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Là, j'étais dans un down. Puis, tu sais, ça allait faire comme 2 ans que j'ai pas de contrat photo, presque pas. Puis, c'est ça. J'étais. Déprimé. Ouais, c'est le bon mot. Mais puis, tu t'en es sorti. Ben, je m'en suis sorti avec chandelle funky parce que, tu sais, là, je voyais passer sur les réseaux. J'ai vu quelqu'un qui faisait une chandelle. J'ai acheté la chandelle pour l'encourager parce qu'il s'est mis à faire des chandelles. Puis c'est un gars que, tu sais, qui travaillait chez Gosselin puis il vendait du stock photo. OK. Il s'est mis à faire des chandelles. Je l'ai acheté. Bon. Puis là, j'ai reçu sa chandelle. Puis à un moment donné, hey, j'ai besoin de faire quelque chose pour m'aérer la tête. Ouais. Puis à ce moment-là, je mets plein de publications de pizza puis de crème glacée sur mes réseaux sociaux parce que je mets tout ce que je fais là. Puis tu sais, la pizza, c'est pour Danny Saint-Pierre, puis comme Danny Pan Pizza, puis là, il ouvre une nouvelle affaire. C'est déjà ouvert là, c'est fou, Pan American. OK. C'est vraiment bon. Puis, tu plugues tellement de place, c'est ça, c'est un truc aussi sur les réseaux, on revient sur… Ouais. Tu te mets de l'avant. En mettant de l'avant d'autres. Oui. Comme ça, il te… Bien, tu sais, l'algorithme mène ça, mais en même temps… C'est cool parce que, tu sais, moi, je trippe sur un produit. Ouais. Je vais en parler. Si j'aime pas ça, je vais pas t'en parler. Tu sais, Gotti, je trippe, là. Aucune chance que j'aime le kombucha dans la vie. Je fit pas kombucha, tu sais. Puis je l'ai rencontré à Pierre-Rich, qui est le boss, qui est le grand patron de Gotti. Ouais. On était dans un 5 à 7. Puis il était là, puis on s'est mis à jaser. Puis kombucha, je suis ah, non, je suis pas ton client. Puis il fait, ouais, essaye mon kombucha. Je dis, hey, j'en ai essayé 2-3, puis ça a été un échec total pour ma bouche. Puis, tu sais, non, essaye le mien. Je suis OK. Puis là, il était un peu partenaire de ce 5 à 7-là. Ouais, ouais. Il va en chercher un. Je goûte. Je fais oh! Puis là, sérieusement. Oui, puis j'ai comme des rushs de. Quand ça fait 2 jours, mettons, que je n'ai pas pris, j'en manque de kombucha Gotti. Je suis sérieux. J'achète à la caisse. Puis de temps en temps, il m'en envoie. Mais, tu sais, je triple. Je triple pour vrai. Je fais pas juste plugger pour plugger ici. Oui, oui, mais c'est des goûts quand même. Exact. Si tu n'aimais pas ça à la base, c'est quand même. Oui, oui, j'aimais pas ça. Ouh! Mais, tu sais, il est différent un peu leur. J'ai peur. Comme j'ai touché quelque chose de… Une bibitte, one, two, testing. Fait que c'est ça, tu sais, comme Miel Éco aussi, quand je vais à Québec, puis je peux passer par son, entre Montréal et Québec, eux autres, j'arrête les voir, puis là, ils ont la limonade citron-miel, c'est incroyable, là. C'est bon, là. Puis leur miel est… Wow. Mais mon beau-frère est apiculteur, fait que je peux pas trop… Tu peux. Tu peux. Il n'y a pas juste une compagnie qui fait des chandelles, il n'y a pas… Mais non, c'est vrai. Non, j'en ai plein. Ton beau-frère, il fait pas de limonade. Ben non. Ben, c'est ça. Les autres font limonade, miel et citron. Oui, c'est nouveau. C'est… Wow! Ah, mais oui, j'aimerais vraiment ça. Fait que, de temps en temps, je la mets, ça, parce que j'aime ça. Puis je sais que les petites… En fait, Gotti, c'est pas petit, là. Mais tu sais, les petites entreprises se faire taguer à gauche, à droite, c'est cute. C'est le fun. C'est cute! Mais oui, mais en fait, tu sais, j'aime ce qu'ils font, fait que je le mets. C'est comme je vais chercher un café Labine, je plug Labine. Mais là, c'est ça, ça te passionne, genre, quand tu parles de ça? C'est comme, toi, qu'est-ce qui te passionne encore à ce jour dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu entretiens ta passion? Parce que des fois, on est comme… Ouais. Il y a des affaires qui nous font chier là, tout le temps dans le business, là, qu'on n'a pas le temps. Qu'est-ce qui te garde passionné? Trouver une nouveauté, en fait.
trouver un nouveau client, trouver une nouveauté, trouver la nouvelle affaire qui va faire « wow », puis fait comme « mais voyons qui fait ça ». Puis comment t'entretiens cette créativité-là? Ah, ça, c'est ma tête. J'ai pas de mérite à ça. Comme je te dis tantôt, ma tête, elle fonctionne tout le temps à côté. Fait que ça pop. Ça pop. Où j'ai des idées. En fait, c'est épuisant, mais oui. Oui? Oui, mais oui, parce que, tu sais, je suis toujours en train de chercher sans savoir que je cherche. Ouais, ouais. Mais, tu sais, où je suis à quelque part, puis là, je vois quelque chose, je fais... Oh, ça t'inspire. Ouais. Je fais, oh man, ça, c'est... T'sais, mais c'est que tu sors, tu sais, sûrement... T'es pas tout le temps chez vous, là, tu sors, fait que t'es mis en contact avec des choses qui peuvent t'inspirer au final. Oui, puis non, ça peut être chez nous aussi. C'est pas, y a pas de, ouais, ça peut être partout. Ah. En fait, ma tête, elle fonctionne tout le temps. J'ai toujours des idées, puis je verbalise trop. Mais pas trop, mais je pense que oui. En fait, si tu es dans mon entourage proche, puis tu ne comprends pas la bibitte que je suis, ça le fait pas. Parce que tu fais... Mais non! Wow! Hey, pour vrai, oui, les gens, ils font comme... Au début, tu fais comme, ah, OK. Mais là! Oui, oui. Pas si payé que ça. Ah, non, je suis pas si payé que ça, mais c'est quand même quelque chose. Je verbalise. Hey, je t'es verbomoteur, c'est tout. Hey, même pas moteur, je verbalise. Là. Je suis un peu moteur, mais je verbalise à côté. C'est n'importe quoi, là, c'est à quelque part, puis ouf! Puis, tu sais, j'entends tout. J'entends fois mille. Je suis à quelque part, on est au restaurant, j'entends les conversations des huit personnes. Tu m'as entendu faire pipi. J'ai entendu faire pipi. J'étais pas sûr si t'étais lavé les mains, mais je pense que oui. Oui. Vous allez l'entendre au son, de toute façon. Mais ouais, bref, c'est ça. Puis, tu sais, tantôt, tu disais comment tu le défi, comment tu t'en es sorti. Oui. Mais, tu sais, je me suis dit, je vais, pour revenir, là, tu sais, j'ai acheté une chandelle. Mm-hmm. Puis là, je mettais trop de publications de pizza, de Danny Pizza, parce que j'allais chercher ma pizza. Je passais de Saint-Jérôme, je venais chercher sa pizza à Montréal. Puis, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Danny Saint-Pierre, tu connais-tu Danny Saint-Pierre? Ben non. Ah, Google ça. Quoi? C'est un chef incroyable. Okay. Il est vraiment cool. Il fait de la télé, la radio, puis tout. Il est incroyable, ce gars-là. Fait que, bref, je me suis mis comme défi que j'allais faire une chandelle à la pizza en me disant, ça va pas le faire. Je vais pas trouver ça. Fait que, je mettais vraiment ce défi-là parce que je me dis, faut que ça perdure un peu dans le temps, ce défi de faire. Déjà, je fais pas de chandelle en vie, puis je consommais pas de chandelle à ce moment-là. Non. Puis je me suis dit aussi que je vais faire une chandelle à la crème glacée parce que j'allais beaucoup trop chez Béa Délice. Puis tu sais que chez Béa Délice, si tu vas chez Béa Délice, demande l'imparfait. Dans l'heure parfait, il y a un imparfait, c'est pour moi. Il y a ma face aussi. Pour vrai? Pour vrai. Mais les odeurs, je suis comme curieuse de savoir. Est-ce que c'est un chimiste qui fait les mélanges? Bien, c'est fait en chimie, c'est des molécules, mais oui, c'est des formes. C'est pas toi qui fais des petits mélanges puissants. Non. Je suis pas le savant fou, je suis juste fou. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que non, c'est des fragrances de plusieurs compagnies. Il y a un peu de mixologie de temps en temps, tu sais, que je mixe des fragrances, là. Mais c'est ça. Fait que là, je m'étais mis comme défi de faire une chandelle à la crème glacée, puis je me dis, hey, en plus, je vais en faire une napolitaine. Vanille, chocolat puis fraise. J'en ai une d'ailleurs, si je te la montrerai. Je t'en emmène une. Hey, attends. Je vais sentir. Pause. OK, c'est voici. Ben non. Hey, c'est long à faire, trois couleurs. Ouais, fait que voici ce que je viens de dire. Tu sais, mes deux premières heures, ça a commencé comme ça. Je m'étais mis en défi de faire une chandelle qui sent la pizza. Je vais sentir. Sans ça. En fait, ça sent comme les épices italiennes. J'ai peur. Non, ça sent bon. C'est doux. C'est comme la croûte des épices italiennes. Ah, c'est doux. Ah, oh, ben. Ouais. Elle est un peu underrated, celle-là. Ouais, c'est... Ouais, cool. Fait que c'est la première que... Attends, tu pourrais, là, pour tous les vendages de maison là, qui veulent faire une tarte à la pomme, là, mais ça pourrait sentir genre tu viens de cuisiner une bonne petite pizza. Ça, c'est clair. En tout cas. Oui, mais les courtiers immobiliers me contactent pour tarte aux pommes puis pain chaud. C'est sûr. Ouais. C'est sûr. J'ai des clients comme ça. Okay. Puis la deuxième, ben, en fait, les deux, c'est en même temps. Là. C'est ce qui est arrivé. Trois couleurs. Fraise, vanille, chocolat. Puis ça sent à chaque étape. Oh! OK, fait qu'à chaque, ça va sentir différent. Exact. Mais t'sais, non! Oui, puis la vanille, tu l'as, mais tu la perds un peu parce que tu as fraise, vanille, puis après, tu as le chocolat qui arrive. À la fin, c'est... Oh, le chocolat est vraiment bon. Oui, ça, vraiment. Ouais. On dirait que tu goûtes la crème glacée. Oui, elle est cool. Tu sais, fait que c'était mon premier défi. Fait que je me suis dit... Colline. Je me lance ça comme défi pour m'aérer. Puis ça, oui, c'est ça. Ça, je vais te la montrer après. Fait que bref, tu sais, je me suis sorti un peu la tête de l'eau avec ça. Oui. Pour le fun au début. Mm. Tu sais, je n'ai fait 24 de chaque, puis that's it. Pour vrai? Tu sais, ben, c'est un peu comme les pour potagers. Le... Oh, ouais, non, en fait, c'était pas une business que je partais, là. Non, OK. Là, je passais le temps parce qu'il y avait la COVID, puis j'avais pas de contrat photo. Mais dans ma tête, la photo va revenir. Tu sais, il y avait un peu de contrat,
un par mois, genre, au lieu de 10-15 par mois qu'on avait normalement. Fait que, tu sais, là, on s'est dit, je me suis dit, ça va revenir, fait que je vais faire ça en attendant. Puis, okay. Finalement, je n'ai fait 24 pour mes amis, puis les données. Ouais. Puis là, les gens ont vu ça sur mes réseaux parce que je mets mes choses sur les réseaux. Ouais. Fait, hey, j'en veux. Je suis comme, non. Puis là, il y a une érablière qui m'appelle. Tu sais, je faisais beaucoup de mariages à cette érablière-là, puis c'était devenu okay. des amis. Le chalet des érables, pour ne pas le nommer. Ouais. Fait que là, Chantal, la patronne, elle m'appelle. Elle dit, Martin, j'aimerais ça avoir des chandelles à l'érable. Je fais, non. Fait que là, Martin, j'aimerais ça avoir des chandelles à l'érable. Deuxième appel, je suis comme, mais non, Chantal, je ne fais pas des chandelles dans la vie, je suis photographe. Je dis, non, mais on en veut. Puis c'était le temps de l'érable, puis tu sais, des sucres qui arrivaient. Okay. Fait que là, troisième appel, Martin, s'il te plaît, ça serait cool, on veut des chandelles à l'érable. Je fais, hey, OK, je vais faire des chandelles à l'érable. Fait que j'ai commandé des fragrances, j'ai fait des tests. Tant qu'à commander, j'ai commandé d'autres fragrances parce que les frais de shipping étaient élevés. Fait que ouais. là, je me suis mis à faire. C'est un défi, hein? C'est ça, je me suis mis à. Je veux juste avoir quelque chose dans mes mains. Je voulais. Bon, puis là, je me suis mis à faire des chandelles à l'érable, puis j'ai sorti d'autres fragrances, puis là, les gens ont trippé. Puis là, la fin d'année scolaire arrivait, puis on m'a dit, exact, cadeau de prof, je me suis dit, je vais essayer ça. Fait que j'ai popsicle aux bananes, on m'a fortement suggéré de faire popsicle aux bananes, j'avais un fragrance comme, qui sentait. On t'a fortement suggéré. Fait que bref, je me suis mis à faire des chandelles cadeau de prof. Ça a sorti de mon juste moule. Juste un truc. Ah oh, oui, mais oui, sortir de ton moule. Et voilà. Mais t'as fait un fragrance. Oui, j'ai fait banane, popsicle aux bananes. Tout. Exact. Puis ça a popé en fou, les gens ont acheté comme cadeau de prof. Puis je fais, wow, attends, j'ai quelque chose là. Fait que je me suis mis à. Exact, c'est ça. Je suis sorti du pot. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis mis à faire un peu de chandelle. C'était à la maison, ça a commencé sur le coin de la table. Ouais. Après, une pièce complète de la maison. Puis là, plus de place. Fait que je cherche un local en partage avec Joël de Mano Verde. Ouais. Puis là, mais j'ai mon propre local à moi dans le même building. Fait que, c'est depuis ça. Combien de temps? Depuis que mars. Un local, depuis mars de l'année passée. Parce qu'on est rendu en janvier. Fait que c'est ça. Fait que tu sais. Ouais. En fait, c'est depuis mon doux que j'ai mon local à moi. Fait que ça fait pas un an? Non, que j'ai mon local à moi seul. Non, ça fait pas un an. OK, mais t'avais un local quand même. Oui, ça fait un an à peu près. Un an, c'est en septembre 2022 que j'ai eu mon local. Que je suis allé en partage. OK. Ça fait comment c'était tout chez vous? Oui. Ça a commencé à être le bordel. Tu sais, les meubles IKEA partout, j'avais du stock. Parce que, tu sais, plus ça allait, là, je commençais à avoir des points de vente. Ouais. Puis, tu sais, là, je vous disais tantôt, les potagers, c'était les imparfaits parce que c'était croche un peu. Puis, tu sais, je me suis dit, hey, si c'est écrit dessus imparfait, c'est what you see, it's what you get. Fait que si c'est croche, tu peux pas revenir. Tu sais, c'est comme t'as ton potager, puis je suis pas manuel. Fait que là, ça a suivi un peu pour les chandelles. Puis, au début, c'était les imparfaites. Fait que là, les points de vente, ça s'appelait les imparfaites. Chandelles imparfaites. Ça s'appelait comme ça juste parce que j'ai comme amené mes civils l'imparfait, puis tu sais, je restais avec ça. Puis, ça a suivi les potagers parce qu'il y a eu quand même un hit avec les potagers. Là. C'était quand même drôle que ça fonctionne. Ben oui. Puis là, ben, je suis parti avec les chandelles. Puis c'était aussi inusité que je fasse des chandelles que je fasse des potagers. Tu sais, le monsieur barbu avec un certain âge qui fait des chandelles, hétéro. Fait que tu sais, tout ça fait comme « what? » Fait que bref, au début, c'était les imparfaites. Puis là, il y a un point de vente qui a dit « ça fait bizarre que sur mes tablettes, ça soit écrit imparfait. Je suis OK, on a brainstormé avec ma fille. Fait qu'on a trouvé le nom funky. Fait que c'est à cause d'un point de vente qui te. Ben, en fait, c'est normal. Tu sais, sur une tablette, si tu as imparfait décrit sur ton brand, ça fait imparfait. Tu sais, puis c'est correct, ça fitait avec mon brand. Ça fitait, ça, c'était personnel. Là, mais c'est comme devenu changer. Une business. Ouais, puis ça le fait, là. Funky, tout le monde en parle, puis tu sais, ça fonctionne. Oui. Puis j'ai pas le monopole du mot funky, on s'entend, là. Tu sais, beaucoup de gens parlent de funky, puis moi, tu sais, je la prends au bon, là. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Fait que j'ai bien du fun avec ce brand-là. Fait que d'ailleurs, tu vois, mon chandail, c'est Je suis funky. Toi, tu l'as vu, le chandail, la différence? T'as changé de chandail? Hein? T'as changé de chandail? Quoi tu parles? T'as changé de chandail? T'as changé de chandail? De quoi tu parles? Je suis capable. OK. Fait que c'est ça. Puis là, c'est devenu une compagnie depuis là. C'est qu'est-ce qui te passionne encore le plus à ce jour? Bien, c'est toujours... Bien, je revenais à ta première question, moi. Oui. Mais ce qui me passionne, c'est toujours trouver des nouvelles affaires à faire. Puis des nouvelles collabs aussi. En fait, ça... Je trippe à essayer de trouver des matchs avec d'autres entreprises. Puis là, mais après le passage au Dragon, c'est beaucoup d'entreprises qui me contactent pour faire des trucs. Ça, c'est très cool. Puis ça, est-ce que c'est comme... Tu sais, moi, mettons, un produit personnalisé, c'est quand même du développement, puis c'est du temps. Puis ça, toi, est-ce que c'est si
oui. difficile que ça. Oui, parce que tu sais, tout le monde veut son odeur. Oui. Fait que tu sais, là, oh, c'est pas là, exactement ça. Puis pour moi, c'est ça, j'envoie des tests. Puis pour moi, ça le fait. Ouais. Mais eux font, ouais, non. Parce que tu sais, les odeurs. 2% d'odeur. Exact. Puis tu sais, les odeurs, c'est propre à chacun. Tu sais, il y en a qui vont faire, oh my God, ça sent vraiment la crème glacée. Puis d'autres vont faire, non. Mais pas tant, parce que celle-là est quand même accurate. Là. Ouais, ouais. Mais tu sais, la pizza, il y en a qui vont faire comme, ouais, non, ça sent pas les épices. Je suis comme, ben oui, ça sent les épices. Tu sais, je va toujours avoir. Oui, 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 exact. J'allais tout le temps ça. Tu sais, comme celle-là, tantôt, je parlais que j'ai travaillé au stade. Tu sais, c'est, puis là, je me faisais dire, hey, ça en prend une qui a rapport avec le stade. Fait que j'ai fait la chandelle stade qui sent le gazon et le cuir. Puis, tu vois, sur le dessus, j'ai, au dernier match des Expos en 2004, j'ai ramassé du sable parce que je suis un ramasseur de n'importe quoi. Fait que j'avais ramassé du sable que j'avais mis dans un sac de peanuts que j'avais pris dans les estrades après le match. Fait que j'avais gardé ça un jour. Puis là, à un moment donné, je fais « Hey, ça le fait! » Fait que là, sur le dessus, ça, c'est une chandelle souvenir. T'as du sable du dernier match. Puis, je fournis aussi avec cette chandelle-là une carte signée de Youpi. Vraiment. Fait que c'est une carte souvenir des Expos. Très nice! Fait que c'est ça. Fait que c'est une chandelle souvenir, celle-là. Je veux sentir. Tu veux sentir? Oui. Cuir et gazon. C'est quand même cool. Puis, tu sais, qu'est-ce que ça sent? Ça sent vraiment le stade quand tu étais en dessous. Tu sais, les couloirs, tout est quitte. Nous, on travaillait. Là, j'ai des gens avec qui je travaillais qui l'ont acheté. Ils ont fait oh my God, ça sent. Ah, c'est drôle. Vraiment, vraiment ça. Ah, c'est très drôle. Moi, je le sens, puis on est là. Je suis là, là. C'est vraiment trippant. Ça va que t'es arrivé. J'adore cette chandelle-là. Et là, là, c'est elle, elle me représente quand même pas pire. On va montrer. Ouais. Tabarouette. Ouais. Mais là, d'abord, moi aussi, je veux te remettre ton cadeau tout de suite. Ah, cool. On va-tu piger là-dedans après? Ben là, c'est parce qu'il va falloir wrap up, là. Ah. Hey, il va y avoir deux parties à ce podcast-là. Check bien ça. Cool. Ah. Pas si bien wrapé. Ça, j'avais besoin de ça. J'en avais plus à l'atelier. Merci, Amy. Tu vas vraiment aller bien déjà. Hey! Ça, c'est juste un petit complément, là. Amour béton. Parce que. Ah, oh, ça, c'est cute. Un petit collant. Ça, c'est cute. C'est très cute. Ah, oh, une tasse. Avec une tasse, parce que t'es tout le temps en train de montrer que t'as ton petit café. Là, si t'aimes pas la couleur, ben on peut en prendre une autre. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est un cadeau. Oui, mais... Ah. On entend l'océan. On entend la mer. Ah. Bonjour, ici le bonhomme carnaval. OK. D'une valeur de 40 $. C'est-tu ça? Oui. Wow. Oui, hey, pour vrai, tu vois, les tasses, commande-en une. Puis si tu t'appelles Micheline, elle va te donner un cadeau avec. Je suis capable. T'as pas le choix. Hey, merci pour ça. Ça fait plaisir. Puis là, il y a un petit porte-cartes. Le sac. Ouais, ben. Le sac qui a vécu la guerre, là. Ah. Fait que. Hey, c'est un porte-cartes. C'est-tu un porte-téléphone aussi, genre? Ça, je pense pas que ça rentre à moi qui est pas. Ah, s'il n'y a pas de caisse. Ouais, c'est ça. Mais très cool. Puis là, je me demandais, c'est que là, je voulais te le personnaliser, puis marquer Funky. Mais je pourrais te le faire. Un Sharpie. Après. Un Sharpie blanc. Black. Tu vois ça? Tu t'appelles Micheline, tu commandes ça, t'as un cadeau. Ça peut se personnaliser, ce qui est le fun. Oui. Donc là, c'est. Oh! Oups, on va le laisser là. Point A, c'est haut. Tu tomberas plus. Ah non, c'est trop. Okay. Puis là, fait que t'as des petits cadeaux. Mais. Ah oui, OK. Bon, mon café est terminé, il faut rapper. Faut rapper. As-tu un conseil à donner, mettons, aux gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat ou une phrase fétiche que tu aimes dire, un genre de slogan? Hey, ben, je l'ai dit tantôt. En fait, c'est ça, je l'ai dit, je vais en dire deux. En fait, un, amuse-toi tout le temps. Sois comme toi, sois juste toi. Puis, authentique. Authentique. Hey, ça, c'est le mot que je cherchais tantôt. Oh. C'est comme, je cherchais vraiment. Soit authentique, soit amuse-toi, c'est la base là, de tout. C'est pas juste en entrepreneuriat, dans ta vie de tous les jours. Puis je pense que c'est ce qui fait que quand je me mets de l'avant, ça fonctionne parce que ce que tu vois sur les réseaux, c'est moi, là. Mm-hmm. Tes niaiseries, puis tu sais, c'est vraiment ça. Les gens s'accrochent à ça, puis aiment ça. Fait que sois toi, puis fais-le ou fais-le. Tu sais, moi, tu le fais ou tu le fais. En fait, c'est plus ça. Ouais. Tu le fais ou tu le fais. Tu sais, t'embarques dans quelque chose, tu le fais all in. All in. Ouais, moi, c'est plus all in or nothing. Tu sais, c'est un peu. Des fois, des fois, ça aide pas, mais souvent, ça va plus aider que pas aider. Non, mais des fois, il y a des situations que tu sais, ça, tu peux faire un petit step back, là. Ouais. Mais je le fais pas tout le temps. En fait, je le fais rarement. Fait que all in or nothing. Dans ma vie en général, c'est ça. Puis tu le fais ou tu le fais. Tu sais, mes enfants, ça, je les ai achalés avec ça, là. C'est comme, hey! Mais tu sais, maintenant, il me remercie de ça, je pense. Oui.
Fait que, tu sais, c'est un peu ouais, ça. Oui, mais c'est juste comme tu t'engages, mais tu t'engages. Tu t'engages pas à moitié. Oui, oui, non, tu t'embarques dans quelque chose. Puis, tu sais, il y a des trucs que mais tu t'engages, de... mais des choses que toi, que tu vas faire. Ouais. Tu peux, je suis correct, là, de faire des petits tabacs. Puis tout ça. Parce oui, que oui. Tu l'as fait. Oui, 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 j'en fais. Tu sais, puis des. Moi, tu l'essayes comme du monde. Exact. C'est ouais. ce que tu fais. En fait, c'est un peu ça parce que, tu sais, l'entreprise Chandelle Funky, qui était Les Imparfaits au début, tu sais, ça a commencé. Puis j'ai arrêté de faire la photo parce que je me suis dit. Si je continue à faire de la photo, il faudrait parce que j'ai pas de revenus. Tu sais, on s'entend? Oh ouais, ouais. J'ai 2 ans sans revenus ouais. à cause de la fucking COVID. 4e fois que je dis fucking. Puis là, j'embarque dans une start-up, petite entreprise, que je me lance dans le vide parce que travailleur autonome puis entrepreneur, c'est 2 affaires différentes puis je m'en suis rendu compte assez rapidement. Ouais, ouais. Fait que là, je me lance là-dedans puis je fais « Hey, mais si je veux savoir vraiment si ça va fonctionner, je dois me lancer à 100% ou 300% là-dedans. Ouais. » Mais là, c'est encore pas de revenus, là. T'sais, non, non, non. Ça va faire 2 ans-ish, puis ça va faire presque 3 ans. Ouais. Mais j'en ai de revenus, mais j'en ai pas tant de revenus. Les gens, ils pensent que, tu sais, sur les réseaux, on met ce qu'on veut mettre sur les réseaux. On s'entend, ben oui. là, tu sais. Fait que les gens, ils pensent que ça roule à côté. C'est une micro-entreprise, Chandelle Funky, ouais. tu sais, qui grossit. J'ai un plan. Mais non plus, ils ne me versent pas de salaire. Exact. Mais... les gens, tu sais, ils croient pas ça. Ben, ouais, c'est ça. Oui. Les gens, ils pensent que, hey, t'as une entreprise, comme tu fais du cash, ouais, c'est pas comme ça fonctionne. Puis même plus t'en fais, des fois, plus que t'as de dépenses, ouais, plus que t'en fais pas, plus que ça se peut que t'aies des mois, que t'es à moins exact. 15 000, moins 40 000, peu importe, mais qu'à un moment donné, tu sais que ce mois-là qui arrive, puis exact. Bon, c'est de savoir. C'est du moyen long terme, en fait. Tu sais, là, c'était une start-up, Chandelle Funky, fait que je me suis dit 4 ans. Souvent, c'est 5 ans. Ouais. Puis, tu sais, j'écoutais un podcast dernièrement que c'était Judith Fedzer qui était là, la grande Manitou de Cookit, que j'ai croisé au Dragon. Elle est incroyable. Puis, tu sais, elle, dans son podcast, elle dit comme 9 entreprises sur 10, comme c'est une statistique, meurent, genre. T'sais, 9 sur 10, c'est vraiment beaucoup. Tu sais, je ne sais pas c'était quoi exactement l'étude, mais il y en a, tu sais, je sais que c'est à peu près ça. On le voit dans notre entourage, oui. là, tu sais. Ceux qui survivent, puis tout ça. Mais ça, c'est quoi une compagnie? Tu sais, il y en a plein qui vont se partir un petit projet où ils vont vendre des petits collants, des petits bijoux en époxy, des affaires de même. Ils mais... font probablement partie des statistiques. C'est ça. Oui. Puis là, tu sais, nous, tu as un local, j'ai un local, c'est des frais. C'est des frais, Oui, oui, c'est ça. Tu sais, assurance, blablabla, là, ça finit plus. Mais tu sais, comme je te dis, c'est une start-up. Je me suis lancé dans le vide. Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu de la résilience. Puis, je me suis dit, si tout ça pour revenir à je le fais ou je le fais, j'ai abandonné la photo. Ben, pas abandonné, mais tu sais, j'ai arrêté la photo. Tu l'as mis de côté pour l'instant. Exact. Oh, ouais. Mais mon but, c'est pour tout le temps. Mais tu sais, j'en fais un peu de temps en temps. J'en fais pour moi. Puis, tu sais, des mini-contrats que je garde, mais j'en ai pas tant. Mais tu sais, je me suis dit, je me lance parce que sinon, je vais pas voir si Chandelle Funky, ça peut être viable. Ça peut être vraiment cool. Puis, je le vois que c'est quelque chose à faire avec cette compagnie-là. Mais tu sais, ça fait 3 ans presque. Ouais. Je me donne 4. Normalement, c'est à peu près 5. Ouais. Mais je me dis 4, ça va être assez. Tu sais, parce que là, mon citron est pressé. J'ai eu 2 ans pas de salaire COVID. Là, ça va être 2, 3, 4 ans presque pas de salaire Chandelle Funky parce que non, j'ai presque pas de salaire. Tu sais, fait que, exact. Tu sais, je survis à ça. C'est cool. Tu sais, puis mon entourage comprend ça. Puis, tu sais, ça le fait. Mais j'encaisse les dettes, puis les dettes, puis les dettes. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'est ça. Quand la pression est trop grande, tu sais, les entrepreneurs, c'est montagne russe, là. Tu fais ça. Ouais. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Puis quand tu descends vraiment. Je m'en ai dit fucking pour une 5e fois, mais tu descends vraiment. Je l'ai dit, ah, shit. Fait que, tu sais, tu descends creux. Ouais. Tu sais, je suis un peu braillard dans la vie, là, tu sais. Je n'ai pas l'air de ça, mais tu sais, souvent, je suis là, puis je fais un step back, puis j'analyse mes affaires, puis où j'écoute des podcasts, mais tu sais, Nicolas Duvernois, je l'adore. C'est comme un mentor, sans il ne sait pas que c'est mon mentor, mais c'est un peu mon mentor. Tu sais, je lis, puis je prends tout ce qu'il dit, puis tu sais, ses podcasts, puis... Mais ça aussi, j'ai les yeux dans l'eau souvent parce que son histoire, là, en ce moment, là, il est là, là mais il a commencé été, dans le sous-sol, tu sais. Puis c'était fou, puis j'ai dit, c'est la même affaire. Mais oui. Tu sais, ça a commencé creux, puis difficile, puis tu sais, pas manger, ou peut-être pas manger, mais tu sais, pas acheter de vêtements. Tu sais, elle a une histoire. Allez écouter ses podcasts, tu sais, à Nico, puis à Nico, mon buddy, puis à Judith, tu sais, c'est ça. Là, c'est gros leur affaire, mais ça a commencé vraiment petit, là. Pis... Mais c'est ça, puis c'est facile à voir après, il est rendu là, mais tu sais, justement, quand il était au bas, ben peut-être, soit justement, tu ne mets pas tant de l'avant parce que, ben t'es comme gêné de ça aussi, là, mais en même temps, après, il faut s'assumer puis dire, quand entre entrepreneurs, on le sait, t'es comme, peut-être qu'il fait de l'argent, mais peut-être que non. Ah oui, non, non, puis tu sais, en fait, quand t'es une start-up, que non.
C'est ça. Ben, c'est... Si oui, ben, tant mieux pour toi. Mais... Non, ben, on a des creux. Pour vrai, je te dis, je braille un peu, là, mais tu sais, j'ai des bons moments, puis j'ai des creux, puis ben, j'ai des bons moments. Puis tu sais, dans ce processus-là, il y a une passe que c'était allait vraiment pas bien, puis j'avais comme couché à l'atelier, là. Ah, ouais. C'était comme mon pied à terre un peu. Ouais, ouais. C'était entre deux parce que j'avais pas les moyens de, d'avoir un loyer plus le loyer à l'atelier. Ben non. Ben, pas. J'avais pas tant le droit d'être là, mais t'sais, je m'étais arrangé quelque chose. Puis t'sais, c'est ça. Fait que, t'sais, c'est un peu ça. Fait que c'est entrepreneur, c'est ça. Fait que ça fait partie de l'histoire de Chandelle Funky, mais t'sais, c'est ça. C'est pas évident. C'est un scoop. Hey, t'as un scoop! Ouais. Voilà. Non, mais puis je trouve ça le fun qu'on en parle parce que. Ouais. Faut être prêt à vivre des choses comme ça. Oui, en fait, c'est là peut-être le 9 sur 10 qui ne survit pas ça puis qui reste petit dans leur sous-sol. Ça aussi, c'est correct. Ça aussi, c'est une entreprise, mais c'est différent. Il y a différents niveaux. Ou même de là, je dirais rappeler l'importance de s'entourer parce que, tu sais, là, mon chum, mon gaisvin, mais il m'aide en tabarouette en ce moment, là, parce qu'il sait que je ne serais pas capable d'avoir un appart plus ici. Là. Ouais. Ici, c'est une hypothèque, là, fait que. Ouais. Puis à un moment donné, c'est où le step que ben, tu veux un local pour grossir, mais non, plus. Bon. Exact. Et pour un local, c'est fou, les frais, là. C'est, exact. Les gens, ils ne voient pas ça. Ils voient comme, hey, ça vend. Puis tu es sur les réseaux, comme moi, non. Ouais. C'est ça. Moi, je te montre souvent les bonnes passes. Mais tu sais, les mauvaises, j'en montre un peu, mais pas tant. Il faut équilibrer. Exact. Puis il faut que les gens voient que ça fonctionne. Là. Parce que si ça fonctionne, mon but, c'est que ça fonctionne. Oui. Fait que tu sais, je ne veux pas comme, hey, ça va pas bien. Fait que c'est ça. Mais tu sais, ça va plus souvent bien que pas bien. Oui. Non, mais c'est vrai que des fois, au début de la pandémie, on dirait qu'il y en avait. C'est venu chercher beaucoup de gens, puis les émotions, c'était comme fou. Puis il y en avait beaucoup qui pleuraient dans leur story. Ouais. Puis j'étais genre, voyons. Ouais. Ben, j'ai fait ça une fois ou deux. Mais que une c'était fois ou deux. over. Oui, non, c'est aussi, ça. Ça n'a pas été ça, mon truc, mais à un moment donné, fait juste, je commence une story, puis là, je parle, puis là, je parle de quelque chose, puis wow! Tu sais, comme mes enfants, je ne les voyais pas pendant la COVID. Là. J'étais à Saint-Jérôme, puis tu sais, eux autres étaient à Montréal. Fait que je ne pouvais pas les voir. Je ne pouvais même pas les voir, tu sais. Fait que comme je faisais des FaceTime, c'était correct. Mais tu sais, ma c'est fille, j'étais en contact avec elle. C'est elle qui fait les illustrations des champs, de mes dessins. Elle est rentrée quand dans le business? En fait, elle est au départ, mais tu sais, elle fait mes illustrations. Ouais. C'est le brand, là, ça. Ben Fait que là, mon contact puis mon lien avec mon artiste préféré, c'était ça. Fait que j'avais la chance. Comme c'est un privilège d'avoir ce contact-là, tu sais. Puis là, elle m'aide, elle me conseille quand j'ai un visuel à faire. C'est ça. Fait que puis elle se revient de bord assez rapidement, là, tu sais. Fait que c'est quand même cool. Puis elle a fait quoi, sinon? Elle est enseignante en art. Oh, ah, bon. Tu vois? Tu sais, mes enfants, tu sais, j'ai eu un peu cette chance-là aussi que, tu sais, mes enfants sont rendus grands, là. Ma fille est enseignante en art, puis mon fils est bon, puis ils font leurs affaires, puis ils font leurs trucs. Fait que, tu sais, je. Puis t'as-tu des entrepreneurs autour de. Comme non, quand t'as commencé, t'en avais pas? Non. Fait que t'es allé te faire un réseau. Ouais. C'est fou la différence, hein? Ouais. Toi, t'as... Zéro, j'avais personne. Exact. Puis genre, t'en parles à tes amis, puis... Non, moi aussi, j'en ai pas. J'en avais pas de ça. Puis tu sais, là, je me suis créé un réseau. En fait, c'est ça que c'est j'aime. Tu sais, en photo, c'est la même affaire. Je m'étais créé un réseau. Puis tu sais, c'est mes compétiteurs, mais c'est pas mes compétiteurs. Puis j'ai des amis proches photographes. Puis tu sais, on se flippe des contrats, puis tout le kit. Puis en chandelle, c'est la même affaire. Tu sais, des cirés puis des cirières. Tu sais, c'est comme ça qu'on s'appelle. Mais... Des cirés, c'est de la cire. Ouais. Oh. Je suis cirier. OK, maison de cire, ça me fait pas. Ouais, un peu ça. Sure. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai des gens que, tu sais, je m'entoure. Oui. Il y en a que tu le vois qu'ils step back, là, tu sais, il y a des histoires de ça. Mais, tu sais, j'en ai proche. Tu sais, j'ai 4-5 compagnies qui roulent, puis qu'on s'écrit. Puis des fois, hey, on a un bug, puis la personne a un bug, il m'écrit. Puis, tu sais, hey, t'as-tu eu ça, ce bug-là? Puis, tu sais, hey, c'est difficile en ce moment. Toi, comment ça roule? Puis juste comme, hey, tu sais, oui, on est compétiteurs, mais en même temps, il y a de la place pour tout le monde. Fait que crée ton chemin. Bien, une autre fille aussi qui fait du béton, justement, puis on se parle des fois sur Instagram, on suit. Puis c'est tellement un peu différent quand même ce qu'on fait que... Exact. Puis il y a de la place pour tout le monde, mais comme on... Pour vrai, je sens pas que l'une veut prendre la place de l'autre. Puis comme on s'entraîne, on parlait justement, les deux, on est chez Simon 1840. Oui. Mais elle est rentrée après. Non, puis là, elle était comme, pis toi, ça vend-tu bien? Comme, tu sais, les premiers mois, pas tant, là, ça, pour vrai, ça rentre. Elle dit, OK, pis tout. Fait que, tu sais, on partageait ça, puis c'est le fun de pouvoir comparer, tu sais. Oui, oui. En fait, c'est important d'avoir ce réseau-là, mais en même temps, tu sais, il y a une compagnie que je ne vais pas nommer, tu sais, qu'on s'écrivait, puis à un moment donné, pour se terminer, parce que. Un membre de cette équipe-là a fait comme, ah, il veut nous copier. Je suis comme, mais je veux fucking pas
sixième fois, je dis fucking. Ça, là, je veux pas te copier. On n'a pas le même brand. On n'a pas le même nombre de mèches. Parce que personne réinvente la roue. Exact. Personne. Fait que c'est ça. Ça, j'ai trouvé ça un peu drôle et insultant à la fois. J'étais comme, hey, on s'écrivait, c'était cool. Puis là, oups, lui a décidé de se mêler de ça. Je suis comme, ah, OK, parfait. Mais fais tes choses. C'est ça. Fait des choses, je fais mes choses, mais en même temps, c'était pas ça. Puis là, tu sais, j'ai plein de compagnies de chandelles à qui je jase, puis voilà. Personne ne se copie, puis je dirais quoi? Il y en a qui ont, tu sais, dernièrement, des fragrances qui sont comme les miennes, un peu plus funky. Ouais. C'est correct? J'ai pas ce monopole-là. C'est pas à moi, ça, tu sais. Comment tu vas te différencier? Exact. Différencie-toi, puis en même temps, tu sais, là, si tu copies de brand, puis tu copies tout, là, ça le fait non, pas. Mais tu sais, même j'irais à faire des associations avec des compagnies qu'on fait, hey, on sort un duo. Ta chandelle qui est plus classique puis une de mieux funky. Ouais, ouais. Puis j'en jase avec deux, trois compagnies. Ça se peut qu'on sorte ça. Fait que, tu sais, c'est. On fait nos choses, mais me faire dire ça, puis je fais comme. Puis là, ils m'ont bloqué partout. Je fais, hey, t'as pas besoin de me bloquer, je veux zéro de copie, même pas proche. Ben non. Même pas proche, t'es pas mon brand, t'es pas. Fait que c'est ça. J'ai trouvé ça drôle et insultant à la fois. Ouais. Mais plus drôle qu'insultant. Non, mais c'est parce que je gère ça autrement, je sais pas. Ouais, ouais, c'est correct. Si tu te sens attaqué comme ça. Ouais. C'est que tu n'es pas solide dans, Ben, c'est une, quand même une bonne compagnie, mais tu sais, je fais comme, OK, fais tes choses, puis je vais faire mes choses. Mais tu sais, dans les boutiques, là, les boutiques ont 5-6 compagnies de chandelles. Tu sais, ils peuvent avoir les miennes et les tiennes parce que je suis pas toi. T'sais. Oui, bien, c'est ça. À un moment donné, peut-être tu te sens menacé dès le début parce que tu essaies de faire ta marque, de te faire connaître, tout ça. Mais après, quand tu commences à avoir un certain réseau puis que les gens te connaissent, tu sais, faut que tu fasses confiance que tu vas te démarquer d'une façon. Oui, oui. Puis, comme tu as dit, on ne réinvente pas la roue. Ben les fournisseurs de fragrances, là, on a. C'est ça. Il y en a, là. Mais, tu sais, c'est ça. J'ai fait ta mixologie, mais bref. Mais là, on n'a pas le choix de rapper, là. Les gens. Pour rapper. Là, c'est le troisième épisode de mon podcast. Partie 1, partie 2, partie 3. C'est pas vrai. Mais je te laisse la chance de plugger tes réseaux. Qu'est-ce que tu veux dire aux gens d'aller te suivre en quelque part? Wow! Hey, je vais mettre les liens d'Instagram, Facebook, TikTok. Ah ouais, hein? Cool. Ouais. Cool. Mais où tu es le plus actif que tu veux que les gens. En fait, je suis un peu partout. C'est sûr qu'Insta, puis. En fait, suivez-moi, puis vous allez pouvoir découvrir les funky qui sortent semaine après semaine. En fait, là, si tu tags bonne app. Attends, je vais recommencer ça. It's a rap. Non, mais abonne-toi à mes réseaux. Oui. Puis, je fais beaucoup de niaiseries. Je fais des chasses à la funky. Puis, je vais sûrement en faire une dans ta région bientôt. Puis, suis mes réseaux. Tu vas découvrir les nouveautés qui s'en viennent. Puis, il y en a plein qui s'en viennent en plus. Ah ouais? Ouais. Oh, wow. J'ai toujours plein de niaiseries dans ma tête. Fait que je m'amuse tout le temps. C'est quoi ta préférée que tu as faite? Dans les chandelles? Oui. Une? Cornichon. Pour vrai? Oui, cornichon. Puis, tu sais quoi? J'ai une amie savonnière, Anne-Marie, Bain-Marie. Oui. Elle me fait un savon cornichon. Tu peux la découvrir en ligne sur mon site d'ailleurs. Je vends des savons. Fait que, tu sais, c'est le savon que j'utilise, ça sent la miette, c'est frais, avec une de mes fragrances. Fait que cornichon, c'est un gros vendeur chez nous. Pis, ça me donne le goût d'en manger. Ouais, non, mais c'est bon. Ça sent bon. Fait que c'est un peu ça. Fait que suis-moi sur les réseaux. Puis, tu as une boutique en ligne. J'ai une boutique en ligne. Je suis dans une trentaine de points de vente à travers le Québec. C'est pas mal ça. Puis, j'allais dire, puis, c'était super sortir de ton. Je t'ai pas fait tant sortir de ton moule. Non, puis tu sais quoi? On n'a même pas pigé. On en a pigé une. On en a pigé une? Mais non, mais garde ça, là, c'est pour. Si on. Ben là, ça se peut que ça soit une question qu'on a déjà abordée, mais. Ah ouais, qu'est-ce qui. Ah oui, on l'a fait. Qu'est-ce qui te passionne le plus à ce jour? C'est à mon tour, c'est moi. Oh, quelles sont tes méthodes pour rester créatif et inspiré? On l'a déjà fait, tu sais, j'ai connu mes questions. Café. En fait, c'est le café. Le café, je carbure à la caféine. Ah, ça aussi. On a tout abordé dans le fond. Ouais, c'est ça, c'est quand même cool. En fait, mon entourage, c'est cool. Mon entourage me propulse aussi, là. Tu sais, les gens autour de moi. Oui. Mais ça en est une. Genre, qui, dans ton parcours, a été vraiment significatif puis t'a comme marquant? Qui a été marquant? En fait, tu sais, je l'ai pas rencontré encore. Tu sais, j'allais au Dragon, là, vraiment, pour rencontrer Nicolas Duvernois. Pour vrai? Vraiment. J'allais là. C'était lui que je visais jusqu'au moment où, quelques semaines avant l'enregistrement, je reçois un appel de Karine, qui est recherchiste là. Ouais, elle me dit, hey, Martin, tu sais quoi? Bonne, mauvaise nouvelle. OK, mauvaise. Nicolas sera pas là à ta journée d'enregistrement. Puis là, non. Criquet. Je suis sans mots. Puis je fais,
OK, dans ma tête, je fais comme, OK, je décroche de là. Moi, c'est lui que j'allais voir, puis ils le savaient, eux autres, là, tu sais, que c'est lui que j'allais voir. Puis ouais. Mon mindset était lui. Puis j'allais chercher Nicolas parce que je voulais être dans son équipe. Puis je voulais, tu sais, parce que j'avais eu un contact avant ça. Quelqu'un de son équipe m'avait contacté pour faire une funky pour un de leurs projets. Puis je tripais sur le mindset de cette entreprise-là. Je leur en avais envoyé. Mais tu sais, c'était en dehors des dragons. Ils ne savaient pas que j'avais appliqué. Okay. Puis tu sais, je fais comme, all right, il va déjà me connaître. Il n'est pas là la journée de mon enregistrement parce qu'il est à Niagara pour le lancement d'un de ses produits. Oh. Je suis comme, ben non. Puis, tu sais, c'est ça. Puis là, ça m'a permis de rencontrer Judith Fedzer. Ben rencontrer, tu sais, elle était là sur le plateau parce que c'est elle qui remplaçait Nico, mon buddy, la journée de l'enregistrement. Fait que lui, tu l'as rencontré, c'est ça. Il est fin? Il est fin. Oui. Tu sais, je l'ai croisé à Expo Entrepreneur, il y a 2 ans, mais je l'ai croisé, là, il y avait tant de monde. Puis, tu sais, je me sentais encore comme imposteur. Je me sens encore imposteur, des fois, quand je vois des grosses entreprises. Ouais. C'est-tu là que tu présentais sur le. C'est-tu là que tu étais adopté, genre? Oui. Ah, mais tu sais, j'étais là. Quand ils ont nommé les entreprises, je te connaissais pas. Fait que, tu sais, ils étaient là sur le stage avec leur truc, puis ils présentaient les 10 ou les 20 ou whatever. Oui. C'est ça. Ah, mais tu vois, je t'ai vu. C'est notre première rencontre. Mais oui, j'étais dans les estrades, j'étais là, ce truc-là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était la première fois que je faisais un événement, que je participais à un événement entrepreneur. Ouais. Fait que c'était quand même cool. Puis là, je me suis dit, hey, j'embarque dans ce moule. Fait que, tu sais, je ne l'ai pas rencontré, mais indirectement, je l'ai rencontré parce que... Bon, parce que là, Martin parle trop. Non, on parle trop. On a manqué une partie de la fin. Hey, OK. Là, on est revenu parce que c'était à mon tour d'aller aux toilettes parce que j'ai bu trop de café. Sacrément, Yumi. Ouais, fait que c'est ça. Là... On était rendu. Faut rapper. Là, si tu t'es vraiment rendu jusqu'ici, bravo. Oui. 1, 2, je t'ai parlé d'un rabais tantôt, d'un code, blablabla. Le voici. On va appeler ça quoi? Mimi? Mimi 15 pour 15 % de rabais. Mimi 15. Mimi pour Micheline. Si tu te souviens de ça. Mimi pour. Mimi 15, t'as 15 % de rabais sur chandellefunky.com. Oui. Voilà. Parce que là, je disais, allez suivre. Sur ses réseaux sociaux, vous allez découvrir son univers. Ouais. Si vous en avez eu assez, ben allez-y pas. Ouais, non, c'est ça. Ça se peut que déjà, tu t'es pas rendu jusqu'ici. Sorry, not. Mais c'est ça. En fait, je suis authentique sur les réseaux, fait que viens juste voir comment je m'amuse. Puis, tu sais, j'essaie de merger avec d'autres marques de d'autres univers. Ouais. C'est un peu ça. Je me crée un réseau. Mais là, aurais-tu une demande à faire d'une collab quelconque? Qu'est-ce que quelqu'un, tu veux-tu lancer quelque chose? Hey, si tu m'as suivi depuis X temps, tu sais que j'ai fait quelque chose avec McDo. J'ai eu quelque chose avec Tara Communication qui était avec Arraise. J'ai Lio Echo. J'ai fait avec Antoine sur TikTok. J'ai pas de demande. Je veux pas lancer de demande. Non. Mais si tu as une idée de collab avec peu importe qui ou si tu es une entreprise. C'est une demande. Ouais. OK. Écris-moi. Je dis pas oui à tout parce que il y a un temps à mettre avec ça. Puis il y a des trucs qui concordent pas. Mais c'est ça. Je pense qu'un fit puis que tu as une bonne idée. Ouais. Hey, je vais faire un astérix, OK? On n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai eu une demande vraiment spéciale. J'ai dit non, mais quand même, c'est par une agence. C'est deux filles d'OnlyFans qui voulaient des chandelles qui sentent... Non. Ouais. Ben non. Parce qu'il y a eu Gwyneth. Ils ont moulé leur vagin, les trois filles. Ouais, ils ont fait ça. Non, c'était pas ça, mais en fait, les filles voulaient une chandelle qui vont sentir la noun. Ben non. Fait que bref, j'ai dit non. Fait que je me suis dit, tu sais, je dois m'inspirer, je dois, tu sais, fait que je n'allais pas aller là. T'sais, mais bref, je suis quand même allé voir leur profil. Je fais que, ouais, mais non, ça ne le fera pas, je ne vais pas faire ça. Je dis, ouais, on a de l'argent à faire là. Même pas avec Chandel Funky. Tu sais, puis ils m'ont dit, pas obligé de mettre ton nom, puis tout ça. Je dis, ouais, mais tout ça, c'est. Fait que je ne veux pas aller là. Je pense que ça aurait pu être lucratif. Ouais. En parlant de ça, justement. C'est ça, il y a la salive. Ouais, il y a la salive. Non, ou, c'est ça. Mais bref. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le genre de collab que je vais pas faire. C'est ça. Fait qu'elle n'est pas là. M'en dis pas, il a déjà dit non. Non, il a déjà dit non à ça. Mais c'est un peu biz. Ben ouais. Ouais. Mais il y a de tout, là. T'sais, écoute, j'ai des odeurs qui sont biz. Fait que, tu sais, les autres savent que j'aurais pu aller trouver quelque chose de spécifique, mais tu sais, c'est ça. Tout à fait. Je dois m'inspirer, puis là, j'allais pas m'inspirer de ça. Colin. Ah, bref. C'est un mauvais rap. Comme. Allez profiter du rabais. Oui. Pour vrai, encourager local. Puis allez voir Mimi Po pour Micheline Po.
Je suis capable. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode et on se On ne se voit plus. C'est terminé. Nous, c'est fini. Non, mais hey, merci de l'invitation. C'était vraiment cool. Mais ça fait plaisir. Désolé d'avoir étiré ça. Non. Mais Ah oui, puis je disais tantôt où ça l'a coupé. J'espère que je t'ai pas fait trop sortir de ton moule. Je pense que ça a bien été. Ouais, je suis sorti un peu de mon moule. Comment ça s'est passé? Hey, en fait, je suis parti là, je suis allé là, je suis revenu là, puis on est allé là. Puis si vous nous avez suivis, tu as vu que je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Ontario, puis après, je suis allé à Saguenay, au Saguenay. Fait que c'est ça. Fait que c'est très... Salut, merci de l'invitation. Ça wrap up le tout. Vraiment cool. On a fait le même Bravo processus. Pour ton podcast. Longue merci. Vie. Merci. Bye. Salut. Bye. Comme la reine. C'est fini. Bye. La reine est morte. Hey, c'est le bonhomme carnaval. La reine arrive dans une demi-urne. OK. It's a wrap. Oh my God, j'aime pas ça, ça. Pourquoi? OK. Là, attends, faut que je goûte à ça. OK. Tu vas faire le saut. As-tu déjà goûté ça, Jeanne? Non. En fait, ça te prend 3-4 gorgées avant de faire... Parce qu'il faut que tu aies le... C'est de la limonade, là, avec du café. Moi, je traite là les premières fois que... Oh! Ouais, c'est ça. C'est ça, la face. Puis après, tu fais... Ah, mais si tu traites café, à un moment donné, tu fais... Oh, c'est cool. C'est... Je pense. Moi, je trippe. J'ai des affaires amères, pas rapport. Oui, ça n'a pas rapport, en effet, mais. Ça n'a pas rapport. C'est merveilleux. OK. Mais merci pour cette découverte. Ah, t'enregistres, là? Oui. Oh, my God! C'est ça, les trucs. Y a-tu majuscule? Bon, c'est parti. On start ça. OK. Moi, j'aimerais qu'on commence avec un cheers dans mes belles pommes. OK, attends, le timer. T'as vu? Je te l'ai dit tantôt. Allez. Il va falloir que tu me ramènes. Merci d'avoir écouté ce 12e épisode de Sors de ton moule. Si vous avez visionné tous les épisodes jusqu'à maintenant, je vous dis un gros merci. C'est grâce à vous, en partie, à ceux qui visionnent les vidéos. Ça m'encourage, ça me donne du jus pour me dire « Hey, je ferais-tu une petite saison 2, justement? » J'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une saison 2? J'ai ma petite idée quand même de si je vais en faire une autre. Je vous invite à rester connecté à Mimipo et à Sors de ton moule sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui s'en vient, avoir du contenu exclusif, des petits extraits et tout ça, puis accéder facilement aussi à nos invités parce que je les tag dans les réseaux sociaux. J'espère que je vous ai aidé à sortir de votre moule ou à peut-être semer une petite graine d'inspiration, de créativité dans votre entreprise ou une idée de nouvelle entreprise, qui sait. En passant, joyeux poisson d'avril et peut-être à bientôt pour de prochaines nouvelles histoires inspirantes d'entrepreneurs. Merci encore et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'écrire pour me donner des commentaires, suggestions. Ça va me faire plaisir de vous lire.